Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous avec l'histoire radicale, avec l'histoire réelle, pour consacrer aujourd'hui au traité de Rapallo. Alors, traité de Rapallo, dans l'émission, on va essayer d'en parler d'abord. On va d'abord parler de l'événement Rapallo 1922. Et à partir de là, on va essayer de définir un archétype dialectique géopolitique mondial qui va définir deux pôles antagonistes qui se sont constitués dans l'histoire et qui sont très importants à comprendre pour nous aujourd'hui, même surtout pour aujourd'hui, pour ce qui se passe en Ukraine. Donc, d'abord avec le traité de Rapallo 1922, c'est l'Allemagne, c'est 1922, enfin, c'est l'Allemagne et la Russie 1922, et c'est la domination réelle qui commence. Et ça surgit en 1922, après l'écrasement des deux communes, commune de Berlin 18-19, commune de Kronstadt. Et c'est à partir de là que peut se constituer ce traité. Donc, Francis, peut-être, est-ce que je vous lance pour développer cette réalité historique de 1922 qui nous amène après à aujourd'hui. Alors, je trouve que ce qui est très important, Daniel, dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez fait référence au traité de Rapallo. Ça doit être le 16 avril 22, mais le 16 avril 22, c'est effectivement la synthèse dialectique d'une chronologie historique qui devient possible parce qu'il y a eu deux drames majeurs, la commune de Berlin et la commune de Kronstadt. Le traité de Rapallo est quelque part acté par deux structures de fusilleurs du prolétariat. On a la République de Weimar. Alors, la République de Weimar, le traité de Rapallo, avril 22, bien évidemment, c'est les structures bureaucratiques de Ratnow. Mais Ratnow, c'est la conjugaison dialectique de Nosk et Schneiderman. C'est-à-dire que c'est parce que le parti social-démocrate, c'est parce que la gauche du capital, dans toutes ses variantes réformistes, souples, modérées, plus tendues, plus extrémistes, a exterminé le prolétariat révolutionnaire de Berlin en tuant Rosa Luxembourg. La social-démocratie a tué Rosa Luxembourg et le prolétariat révolutionnaire. Et de l'autre côté, les correspondants de Ratnow qui accompagne donc l'accomplissement dialectique de Nosk et Schneiderman, c'est le corps diplomatique du capitalisme d'État bolchevique qui se structure dans un État qui est en mouvement de constitution durable parce qu'il y a eu la commune de Kronstadt en 1921 et donc l'extermination du prolétariat. Donc, rappelez toujours que c'est la gauche du capital, en tant que laboratoire de recherche de tous les patronats du monde, qui est l'officine de mitraillage et d'extermination centrale du prolétariat. On a eu à plusieurs reprises, dans le cadre de nos émissions et d'actualité, et à la fois de compréhension conceptuelle théorique, ce rappel. C'est la même chose en France. Et on en a parlé avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est ce grand mirage idéologique qui permet de détourner la lutte de classe, non pas pour contester le progrès totalitaire de la marchandise, mais pour l'enfermer dans un cul-de-sac symbolique par rapport aux formes rétrogrades qui vont mourir. Les formes rétrogrades qui vont mourir, c'est le haut état-major, c'est l'Église, c'est toutes les formes antérieures au capital. Et le prolétariat qui s'est constitué dans la radicalité subversive de 1848, qui comprend que son pire ennemi, c'est le progressisme de la marchandise, par le biais de l'affaire Dreyfus, on le détourne, et on le détourne parce que c'est la terminaison de la Commune de Paris 1871. On l'a exterminé physiquement en 1871, et on veut l'exterminer dans le contenu théorique de ses compréhensions radicales. L'affaire Dreyfus, c'est Zola. C'est Clémenceau, c'est Gallifet.
Zola, Clémenceau, Gallifet, c'est la triade exterminationniste de la Commune de Paris. Zola qui chante la victoire des Versaillais, Clémenceau, le faux cul-centriste qui avait un pied à gauche et un pied à droite, mais qui deviendra le boucher de toutes les grèves radicales, le premier flic de France, l'exterminateur des grèves ouvrières après la tuerie de fourmis, et Gallifet. C'est Gallifet qui dit, à partir de l'affaire Dreyfus, nous avons là le lieu majeur de la démocratie, Dreyfus innocent, circuler, il n'y a rien à voir, mais qui est Gallifet? C'est le grand massacreur de 1870. Et Gallifet, le grand massacreur de 1870, il tend la main à Nosk et Schenkmann, les grands massacreurs de 21, 20, 19 en Allemagne, parce qu'après l'extermination de 19, il y a plein de micro-communes insurrectionnelles en Westphalie, dans la Ruhr, dans le Palatinat. C'est-à-dire que l'extermination de Rosa Luxembourg, elle continue pendant 3-4 ans. Et de l'autre côté, eh ben, on a Trotsky, le Gallifet rouge qui prépare le travail de Staline. Parce que toute l'extermination du prolétariat russe avec la mise en marche du capitalisme d'État bolchevique par Staline, ça n'est que l'application du plan Trotsky. Donc, ce qui va se passer en 22 avec le traité de Rapallo en avril 22, c'est la concrétisation d'une longue histoire qui dépasse la France, qui dépasse l'Allemagne, qui dépasse la Russie. C'est ce mouvement d'assomption, et c'est important, à un moment donné, vous avez dit domination réelle. C'est-à-dire que le capital, depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1914, il est en ascension d'une souveraineté absolue totalitairement réalisée, mais il ne la réalise qu'en 14. Et il la réalise en 14 dans le premier charnier mondial. Il a donc fallu la domination réelle, le premier charnier mondial, l'extermination de la Commune de Berlin, l'extermination de la Commune de Kronstadt, comme synthèse dialectique de se sortir de soi qui va à l'accomplissement de sa destination déterminative, puisque finalement la Commune de Kronstadt et la Commune de Berlin, c'est la Commune de Berlin au maximum du massacre du prolétariat. Donc à chaque fois ça avance. Le capital a ce génie sataniste, c'est le diabolisme de la marchandise, de toujours tuer davantage, de toujours mentir davantage, de toujours abrutir davantage. Donc Berlin, Kronstadt, c'est Paris Empire. Et c'est Paris Empire parce qu'en même temps, à Kronstadt comme à Berlin, le prolétariat a mûri et il va plus loin, il radicalise. Donc rappelons toujours que affaire Dreyfus, Commune de Paris, Commune de Berlin, Commune de Kronstadt, c'est toujours la gauche du capital qui extermine le prolétariat combattant. Et la droite du capital arrive après pour stabiliser les problématiques sociales d'unité historique. Mussolini arrive après que la gauche ait liquidé les conseils ouvriers, Hitler arrive après que la gauche ait liquidé les conseils ouvriers, et c'est toujours parce que la gauche a fait son bon boulot que la stabilisation sociale arrive. Et donc la stabilisation sociale de la République de Weimar et du capitalisme d'État bolchevique qui va produire le traité de Rapallo en avril 22, c'est d'abord ce qui est rendu possible par l'écrasement du prolétariat. Parce que j'avais un correspondant qui me dit « Rappelez bien qu'il y a deux luttes de classe. Il y a la lutte de classe du prolétariat contre le capital et il y a la lutte de classe des gangsters capitalistes entre eux. » Quand Rosa Luxembourg, dans l'accumulation du capital, nous dit que le militarisme, stade suprême du capital, c'est effectivement le gangstérisme généralisé de la valeur d'échange. Donc, les capitalistes s'affrontent entre eux parce qu'ils ont besoin, compte tenu de la baisse du taux de profit, d'ouvrir les marchés, de maîtriser les marchés. Et dans le même temps, si le prolétariat surgit, les gangs capitalistes s'unifient. Commune de Paris, Bismarck et Napoléon III s'unifient pour écraser la Commune. Clémenceau, le pourri de la Commune de Paris, se met d'accord avec la Reichswehr, avec Nosk et Schneidermann pour écraser la Commune de Berlin.
Et la banque américaine, la Reichswehr, le développement capitaliste industriel allemand, sont en union sacrée pour aider les bolcheviks pour exterminer la commune de Kronstadt. Donc il y a deux guerres de classe. Il y a la guerre de classe, et on y reviendra sur l'Ukraine, sur Rapallo, intercapitaliste, les mafias capitalistes qui se battent pour obtenir des marchés, et puis il y a la guerre de classe radicale de l'être générique, de l'ontologie subversive, de la conscience universelle vérifiée, c'est le prolétariat et le capital. Donc tout ça est hyper important, mais il faut comprendre que le traité de Rapallo est effectivement, vous l'avez dit Daniel, un moment géopolitique fort. Et alors là, je fais une toute petite césure parce que j'ai beaucoup de correspondants qui me disent « mais géopolitique, point, ou géopolitique, virgule, de la tyrannie de la valeur. La géopolitique est à la mode. On a plein de sites géopolitiques, on a des penseurs géopolitiques, on a des bouquins géopolitiques. La géopolitique est à la mode. Mais quelle géopolitique ? La géopolitique n'a de sens que si c'est la géopolitique radicale, critique, compris de la valeur d'échange. Il n'y a pas de géopolitique en soi. De la même manière, j'ai un correspondant qui me dit « rappelez que il n'y a pas de loi de population en général et il n'y a pas de loi géostratégique en général. » Marx, dans son travail radical de contestation de Malthus, a montré qu'il n'y a pas de loi de population. Il y a des lois de population en fonction des modes de production. Ce sont les modes de production qui déterminent les lois de population et de surpopulation. Donc il n'y a pas une loi mondiale de surpopulation universelle du néolithique jusqu'à aujourd'hui. En fonction des modes de production, il y a des lois de population, de surpopulation, surpopulation relative, surpopulation absolue, en fonction du devenir du mode de production. Et c'est pareil pour la géopolitique. La géopolitique territoriale des rentes agricoles qui découle des traités de Westphalie n'a strictement rien à voir avec la géopolitique stratégique qui découle des rentes industrielles et commerciales de la domination réelle du capital à partir du premier conflit mondial. Donc les gens qui positionnent une géopolitique à partir des espaces ne comprennent rien, parce qu'un espace n'est pas un objet. Un espace est un rapport social. La géopolitique de l'Eurasie au moment des invasions de Gengis Khan et de Tamerlan, c'est une géopolitique particulière qui est déterminée par la rencontre de la décadence du mode de production byzantin, le surgissement des populations nomades à la périphérie des grands espaces étatiques du despotisme oriental, et puis au bout de ce Constantinople qui touche Genève, Venise, et Florence et toute cette entité occidentale capitaliste, c'est un autre mode de géopolitique. Et la géopolitique du capital aujourd'hui, elle n'est pas déterminée par les espaces, elle est déterminée par le temps. Elle n'est pas déterminée par n'importe quel temps. Elle est déterminée par le temps de la valorisation. Valorisation intensive, plus-value relative, plus-value absolue. Donc, positionner aujourd'hui la problématique mondiale à partir de Rapallo sur le temps contemporain, c'est revenir à Marx, revenir à Hegel, mettre en marche une passerelle Clausewitz dans la radicalité des contradictions historiques du temps long du déterminisme de l'histoire. Donc, à bas la géopolitique en soi, vive la géopolitique des compréhensions dialectiques, des déterminations historiques, de la dialectique des forces productives, de l'aliénation et de la contre-aliénation. Et nous, on ne va pas faire une histoire diplomatique de Rapallo, on va faire une histoire critique radicale de Rapallo comme un variant, un, des luttes de classe, deux, des géopolitiques de l'impérialisme, et tout ça articulé par rapport à la saturation du marché, par rapport à la baisse du taux de profit et par rapport à la crise de l'équivalent général, parce qu'il y a dans le Rapallo de 22 le chronomètre qui nous amène au Rapallo d'angoisse du Pentagone aujourd'hui en 2022, avec la crise terminale de la valeur d'échange, avec l'explosion du dollar et avec l'incapacité pour le marché mondial de pouvoir reproduire sa reproduction. Francis, du coup, est-ce que, avant qu'on commence avec des questions relatives à Rapallo, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que Rapallo, le Rapallo de 22 ?
pour qu'après on rentre dans dans toutes les articulations que ça implique. Alors, le Rapallo de 22, alors je me plante toujours, je ne sais jamais si c'est le 14 ou le 16, enfin bon, c'est ou le 14 ou le 16 avril 1922, il y a ce fameux traité de Rapallo qui suit le gigantesque mouvement des traités issus du traité de Versailles. Il y a le traité de Versailles, et puis alors vous avez toute une série de traités avec la Hongrie, avec la Tchécoslovaquie, avec la Pologne. Rappelons toujours que pour comprendre ça, il faut comprendre la dialectique du capital. En domination formelle, le capital est structuré sur un mode de production qui veut que quand il y a une crise, on produit le surgissement d'une triade, à savoir crise, colonisation, expansion. Crise, colonisation, re-expansion. Toute la domination formelle du capital, et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du traité de Paris, la grande opposition entre... Parce que dans le traité de Rapallo, il y a la grande opposition de la domination formelle entre l'Angleterre et l'Europe, qui revient sous une nouvelle forme qui s'appelle non plus l'Angleterre contre l'Europe, mais les USA contre l'Europe, puisqu'on est passé de la City contre l'Europe à Wall Street contre l'Europe. Mais donc, la guerre, et on l'a dit dans notre dernière émission d'actualité, en rappelant qu'on allait le développer aujourd'hui dans Rapallo, notre émission théorique d'aujourd'hui, qui sera surdéveloppée dans la prochaine émission théorique qu'on fera sur crise terminale, la crise terminale dans son moment formel, la crise terminale dans son moment réel, la guerre n'est jamais un accident de la paix. Elle est la véritable substance logique de l'accomplir de la paix. La paix, c'est le commerce. Et le commerce, c'est la guerre commerciale. Et la guerre commerciale, c'est au bout la guerre militaire. En domination formelle, comme dans les modes de production d'avant la domination formelle. Carthage et Rome, c'est la paix. Carthage et Rome, c'est le commerce. Carthage et Rome, c'est la guerre commerciale. Et puis, à un moment donné, Carthage et Rome, c'est la guerre militaire. Donc, la guerre militaire n'est pas un raté de la paix. Elle est l'accomplissement en devenir substantiel des catégories qui fondent la paix, parce que la paix, c'est l'agencement aliénatoire des catégories de la valeur d'échange. Dans le communisme, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de guerre, parce qu'il n'y a pas de valeur d'échange. Dans le communisme, il y a la production humaine. La paix, c'est la production de l'argent. La paix, c'est la production sociale du démos aliénatoire de la valeur d'échange. Donc, dans le communisme, il n'y aura ni paix ni guerre, et c'est d'ailleurs pour ça que tous les groupes pacifistes sont contre-révolutionnaires. Abat la guerre, vive la paix. D'abord, si je dis « abat la guerre, vive la paix », c'est que je suis un pauvre type méthodologiquement abruti. Je n'ai pas compris que la guerre n'est pas un raté de la paix, mais c'est au contraire la logique de la paix qui se surgénéralise dans l'espace et dans le temps de l'extériorisation nécessaire des déterminations d'histoire. Donc, Hegel, Clausewitz, Marx, il n'y a pas de... Alors, Orwell, à la fin, on en reparlera, Barcelone 37, c'est-à-dire que la guerre, c'est la paix. La guerre, c'est la paix, ce n'est pas un slogan. La guerre, c'est la paix, c'est la compréhension matricielle et conceptuelle, Clausewitz, Hegel, Marx. Et c'est pour ça que dans les bandes qui passeront, on a repris ce fameux texte de Marx de 1857-1859 dans l'introduction à l'économie politique. La guerre est antérieure à la paix. C'est-à-dire que dans la paix, la guerre est déjà en train de travailler. Donc, faut comprendre tout ça. Donc, 14-18, surgissement de la domination réelle, le capital a enfin créé la domination réalisée du marché mondial totalitaire de la valeur d'échange. Ce fameux conflit dont on a parlé à plusieurs reprises, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de questions sur puissance navale, puissance terrestre. 1914, cette petite Allemagne qui renvoie au chevalier teutonique,
qui renvoie à cette Prusse archaïque, qui renvoie à cette Allemagne décomposée en mille Allemagnes. La guerre de 30 ans, cette Allemagne qui est une puissance incroyable, qui s'est totalement décomposée dans le morcellement des guerres de religion, luthériens, calvinistes, catholiques, les Habsbourg, les Hohenzollern, et la puissance anglaise qui magouille à l'infini sur le continent, l'Allemagne ne s'est pas faite. Mais en 14, dans le rattrapé qui résulte de toutes les guerres du 17e, du 18e et du 19e, l'Allemagne s'est faite. On reparlera de la guerre de Crimée et on reparlera de la guerre franco-française entre Napoléon III et Bismarck. Guerre totalement organisée par les réseaux financiers anglais pour empêcher une unité européenne de puissance et de force. 1914, malgré toutes les manipulations de la City, malgré toutes les contradictions qui ont joué au niveau de la géopolitique pour inféoder l'Europe, l'Allemagne devient potentiellement la première puissance mondiale. Puissance mondiale maritime, puissance mondiale maritime commerciale, maritime militaire, puissance hégémonique du point de vue industriel. La machine-outil allemande, c'est quelque part le vrai drapeau de l'Allemagne unifiée. Le monde est en train d'être absorbé par la plus-value relative allemande qui travaille la technologie du capital. On a ce fameux truc qui est décisif pour comprendre les enjeux entre l'Angleterre et l'Allemagne dans ce que Rosa Luxembourg va positionner dans l'accumulation du capital sur la ligne ferroviaire Berlin-Bassorah qui ouvre toutes les portes pétrolifères de l'Orient. C'est-à-dire que l'Allemagne devient en 1914 ce sujet historique qu'il convient de détruire. Et l'Angleterre, qui a inféodé la France depuis 1815, organise d'une manière active les manipulations, l'attentat de Sarajevo, toute une série de conurbations entre la Russie, la Serbie, la Bosnie. Bon, on a déjà toutes les manipulations du Pentagone telles qu'on les retrouvera au niveau de l'Irak en 1990 et telles qu'on les retrouve aujourd'hui avec Boutcha. Bon, donc tout est programmé dans la crise de la valorisation intensive du vieil empire anglais. L'Europe est écrasée parce que ce n'est pas l'Allemagne que l'Angleterre veut écraser. Elle veut bien évidemment écraser l'Allemagne, mais derrière l'Allemagne, il y a l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il y a la problématique d'une Italie qui surgit. L'Italie qui est d'abord alliée à l'Allemagne et à l'Autriche, et puis qui, dans le cadre des recompositions financières, des manipulations des services diplomatiques, bascule dans le camp de l'Angleterre et de la France à mi-parcours du conflit. Donc, il y a plein de choses qui bougent, mais derrière tout ce qui bouge, il y a une chose essentielle qui ne bouge pas, l'Angleterre, et on en reparlera tout à l'heure, les guerres napoléoniennes, la guerre de 7 ans, les guerres de 100 ans, doit assumer le statut de la révolution judéo-protestante positionnée par Henri VIII, poursuivie par Élisabeth, poursuivie par Cromwell, l'émergence capitaliste d'un empire naval mondial qui écrase l'Europe. Et là, pour la première fois, l'Angleterre a une trouille tragique. L'Allemagne est susceptible, par son industrie, par sa marine, par sa puissance, par son commerce extérieur, par ses colonisations à la fois officielles et officieuses, de détrôner l'Angleterre. Donc la Première Guerre mondiale a lieu sur ce terrain stratégique de passage à la domination réelle qui positionne une triade dialectique au sens où Clausewitz, Hegel et Marx nous ont permis la compréhension géostratégique de la valeur d'échange, de comprendre ce qui produit une détermination historique. Quelle est la triade de la domination réelle? Crise, guerre, reconstruction. Crise, guerre, reconstruction. Donc cette triade diabolique, crise, guerre, reconstruction, elle se met en mouvement dans le premier charnier mondial. Et l'Allemagne est écrasée. Et l'Allemagne est écrasée, on en reparlera aussi ultérieurement sur d'autres terrains, elle est écrasée avec la même diabolisation judéo-protestante que l'on retrouve dans tout le canevas de la géopolitique capitaliste offensive de l'Ancien Testament, c'est-à-dire
dans la diabolisation. On a Boutcha, on a déjà Boutcha en 14-18. Moi, je me rappelle tout petit, ma grand-mère était élevée par des sœurs dans un couvent à Compiègne, et l'armée allemande arrivait, elle occupait la Belgique. Et ma grand-mère me disait, mais tu sais, Francis, les Allemands, ils mettaient le poignet des enfants dans un pot de fleurs, et les Uhlans, avec un sabre, coupaient le bras des enfants. Donc, je veux dire que, et alors, André Gide, toute une série de pôles critiques se sont mis à réfléchir. C'est-à-dire que les délires idéologiques de la Seconde Guerre mondiale, les délires idéologiques de la guerre d'Ukraine, les délires idéologiques de la guerre de Serbie, les délires idéologiques de la guerre d'Irak, on les a déjà en 14. Les services. Aujourd'hui, vous avez une officine de merde qui s'appelle les casques blancs. On les a trouvés en Syrie et on les retrouve en Ukraine. Alors, à l'époque, ils ne s'appelaient pas les casques blancs, ils s'appelaient, je ne sais pas moi, les casques faisandés, tout ce que vous voulez. Mais les Anglais, leurs officines, étaient déjà en Belgique à expliquer que l'armée allemande coupait la main des bébés belges. Et ma grand-mère n'avait jamais vu aucun bébé belge à qui on avait coupé la main. Mais elle récitait une ancienne qui s'était répercutée de Bruxelles sur Sedan, de Sedan sur Compiègne, de Compiègne sur Lusarche. Donc, la guerre de 14-18, c'est quelque chose de gigantesque qui reprend tous les mensonges et toutes les saloperies de ce que fait l'Angleterre, la perfide Albion. La perfide Albion. On ne dit pas la perfide Suisse, on ne dit pas la perfide Espagne, on ne dit pas la perfide Suède, la perfide Albion. C'est parce qu'il y a un invariant historique depuis la guerre de Cent Ans. L'Angleterre mène des guerres dans la dialectique de la valeur d'échange totalitaire absolument réalisée. Les autres puissances ne sont pas dans la valeur d'échange totalement réalisée. Donc, tous les mensonges que l'on a là, ils se structurent, ils s'organisent. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais au bout de cette guerre, on a le président Wilson qui représente la SDN, qui représente l'ordre moral. Les Américains font toujours la guerre pour le moral. La guerre pour le moral. La guerre pour l'occultation, pour la mystification, pour la dénaturation, pour l'occultation. On en a parlé déjà à plusieurs reprises. Qui sait que l'armée américaine a, entre 1895 et 1905, exterminé 1 500 000 Philippins civils? L'armée américaine a exterminé plus d'1 500 000 civils philippins. L'armée américaine ment. L'armée américaine massacre, mais par essence, c'est son substrat. Vous voyez des westerns, même le western le plus nul. Ah oui, une pauvre tribu indienne qui vit dans une poubelle. Et puis, vous voyez un délégué de l'armée américaine en beau costume de tunique bleue qui vient lui dire « Mais vous aviez signé un truc, mais c'est caduque. On vous avait donné 500 arpents de terre, maintenant c'est 50. » Mais alors, vous voyez le chef indien qui dit « Mais on avait signé, c'est caduque. » C'est que toute l'histoire américaine est une histoire de spoliation, d'extermination et de mensonge. On y reviendra tout à l'heure sur Ancien Testament, Nouveau Testament. La structure mentale du Pentagone est judéo-protestante, elle est vétérotestamentaire. On ment par essence sur la totalité des attributs spatiaux de reproduction de la valeur d'échange impérialiste. Par essence. J'ai un de mes correspondants qui me rappelait ce qu'avait fait Washington. Washington, soldat anglais, qui devient le président américain, qui devient le chef de file de l'armée américaine. Il y a à un moment donné, entre Boston et le Québec, une rencontre entre des soldats français et des soldats anglais. À l'époque, Washington n'est pas américain, il est anglais. Et il y a un ambassadeur français qui arrive avec un drapeau blanc qui s'appelle Jumonville. Washington le fait tuer.
Washington élimine un plénipotentiaire français reconnu avec drapeau blanc qui veut négocier quelque part entre deux rivières, entre Boston et... Et c'est la structure américaine depuis le début. Et donc, qu'est-ce qui se met en marche au traité de Versailles ? Le mensonge, la manipulation. L'Angleterre a toujours voulu écraser l'Europe. L'Angleterre, colonisée par les États-Unis, vient en 1917 pour écraser l'Europe. Le traité de Versailles, c'est la grande décomposition du mensonge universel. On va créer une Tchécoslovaquie dans laquelle il y a les Sudètes. Alors vous voyez régulièrement à BFM TV, à CNews, à LCI, des gens disent, ah oui, on a capitulé, Daladi a capitulé les accords de Munich. Et les accords de Munich, c'est quoi ? On a retiré de l'Empire austro-hongrois, parce que les Sudètes ne sont pas un territoire qui est lié au royaume de Prusse. Les Sudètes sont un territoire qui est lié à l'Empire austro-hongrois. En 14-18, les Américains ont un objectif, écraser l'Allemagne et exploser l'Empire austro-hongrois pour qu'au cœur de l'Europe, il n'y ait pas une puissance européenne potentielle qui pourrait à un moment donné s'allier avec les Français et les Italiens pour créer justement cette première puissance. Parce que la question de Rapallo, et on y reviendra tout à l'heure, il faut poser la question du point de vue de la géopolitique de la valeur d'échange, quelle est la première puissance mondiale ? La première puissance mondiale, c'est l'Europe unifiée à la Russie. Donc, déjà dans la guerre de 100 ans, on avait la division de l'Europe. Déjà dans la guerre de 7 ans, on avait la division de l'Europe. Mais dans la modernisation des territoires russes et dans le surgissement de la modernité technologique de la France et de l'Allemagne et de l'Empire austro-hongrois, l'objectif de l'Angleterre et l'objectif de l'Amérique, c'est de détruire l'Europe qui est ce concurrent qui de toute manière, s'il surgit, sera en hégémonie totale. Donc, qu'est-ce qu'on fait au traité de Versailles ? Au traité de Versailles, on dépèce l'Allemagne. La Poméranie et la Silésie, le couloir de Danzig, sont des territoires qui sont germanisés depuis plusieurs siècles. On va les attribuer à la Pologne, et puis les Sudètes, on va les attribuer à la Tchécoslovaquie, alors que c'est un territoire qui est à 99,5% allemand. Il faut foutre le bordel au cœur de l'Europe pour que l'Europe se tiraille, se cristallise en opposition, en tension et en incapacité stratégique d'accéder à une compréhension mondiale de son destin. Donc le traité de Versailles, c'est le bordel en Europe et c'est surtout la vassalisation de l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe en avril, le 14 ou le 16, 22 ? Il se pose que, à partir de la crise mondiale de la valeur d'échange, il y a eu les accords de Gênes. On a vu dans les différentes émissions qu'on a vues que au sortir de la Première Guerre mondiale, qui n'est pas une guerre de nationalisme. La Première Guerre mondiale, ce n'est pas le nationalisme allemand contre le nationalisme anglais. Ça, c'est des drapeaux, c'est des guirlandes, c'est des panoplies, c'est des costumes. Le fond de l'affaire, c'est que l'ordre capitaliste mondial, dans la saturation mondiale des marchés en 14, est obligé, compte tenu de la baisse du taux de profit et compte tenu justement de cette saturation incroyable, de redéfinir un ordre. Il le définit par le repartage militaire des marchés. Le commerce, c'est la guerre commerciale. La guerre commerciale, c'est la guerre militaire. Puis au bout de la guerre militaire, on repartage militairement les marchés. Donc le repartage militaire des marchés a lieu. Et donc, au bout de ces accords de Gênes qui suivent le traité de Versailles, on redéfinit un équivalent général, abstrait, de l'exploitation, de la valeur d'échange, et on produit des compositions intermédiaires parce qu'on a quitté la domination formelle, on est en domination réelle, mais on n'est pas en domination réelle supérieure. Donc on crée dans ces accords de Gênes des compositions multiformes et hybrides où il y a l'or, la livre sterling et le dollar. Mais au bout de ça, il y a les réparations du traité de Versailles, il y a l'écrasement de l'Allemagne. Et de l'autre côté, il y a la Russie bolchevique capitaliste d'État qui est épuisée par une guerre civile qui a tout détruit. Et donc, naturellement, pour faire face à l'impérialisme américain, l'ordre allemand et l'ordre russe se retrouvent et disent on a certainement des choses à faire, on a certainement des choses à jouer pour essayer effectivement de se sortir de cette domination américaine qui nous écrase.
Donc, sortir de cette domination américaine qui nous écrase. Et alors, la Russie est beaucoup moins écrasée que l'Allemagne, parce que la banque Warburg, toute une série de réseaux financiers américains, le bolchevisme, le capitalisme d'État trotskiste et le capitalisme d'État stalinien sont déjà ravitaillés de manière massive par les banques américaines. Mais ils sont ravitaillés par les banques américaines de manière à être aussi sous la dépendance des banques américaines. Donc, Staline et la Reich Wehr, pourquoi la Reich Wehr? Parce qu'une fois que l'Allemagne s'est décomposée, qu'est-ce qui reste comme institution solide en Allemagne? La Reich Wehr. La Reich Wehr, ce n'est pas simplement la Reich Wehr, l'armée allemande, c'est un corps qui assume, par son histoire, par sa représentation, l'honneur allemand. Donc, d'un côté, on a l'honneur bolchevique. On veut bien de la banque américaine, mais on voudrait pouvoir maîtriser mieux. Et de l'autre côté, on a l'honneur allemand. La banque américaine intervient aussi dans la République de Weimar. Mais on a donc deux corps qui bénéficient de la ventilation bancaire américaine, mais qui voudraient s'autonomiser et s'émanciper. Et un des critères. Une question par rapport à ça. Allez-y. On a parlé de domination formée, de domination réelle, guerre totale, mais justement, qu'est-ce qui permet à l'Allemagne à ce moment-là de se reconstituer alors qu'on est en domination formelle, et qu'on pourrait dire ben, pourquoi l'Allemagne... Réel. Pardon ? Non, réel. Oui, réel, pardon. Et on pourrait dire ben, pourquoi l'Allemagne n'est pas totalement écrasée à ce moment-là. Et la Reich Wehr, en fait, se reconstitue à partir des corps francs qui ont été laissés en vie par justement les alliés. Et on n'a pas totalement écrasé l'Allemagne à cause justement de la Commune de Berlin qu'il fallait écraser en Allemagne. Voilà, domination réelle, mais domination réelle encore formelle, quelque part. Alors, le problème, c'est que vous imaginez au moment de la grande inflation, de la grande décomposition, alors on verra ça en 29 revenir, mais on l'a déjà dans les années 20, la gigantesque misère de ces boucheries allemandes, de ces boulangeries allemandes, de ces magasins allemands, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a le diktat des réparations. Et alors, l'armée allemande est détruite. On ne lui concède que les corps de répression pour écraser la Commune de Berlin, mais la marine interdit, l'aviation interdit, les chars interdits. Donc l'armée allemande, dans le cadre de son histoire de haute technologie capitaliste, a un bagage. Donc le traité de Versailles lui interdit... tout ce qui est accepté pour les autres. D'ailleurs, juste un moment sur les années 35-39, quand Hitler réoccupe la rive gauche du Rhin, dans tous les manuels d'histoire, vous voyez, mais Hitler a violé le traité de Versailles puisqu'il réoccupe la rive gauche du Rhin et qu'il remilitarise. Mais il y avait des clauses qui avaient été positionnées par le traité de Versailles et par rapport spécifiquement à l'Allemagne, et il y avait une articulation générale, le désarmement de l'Allemagne préfigure le désarmement général. Donc Hitler n'a pas réoccupé la Rhénanie et réarmé par hasard, il a pris à partie l'ordre wilsonien et la SDN en disant bon, on est désarmé, on n'a pas le droit de réoccuper la rive gauche du Rhin. C'était le préambule d'un désarmement général. Mais vous n'avez toujours pas opéré le commencement du désarmement général. Donc, puisque vous ne respectez pas et la lettre et l'esprit de ce qui découle du traité de Versailles, un, on réarme, et deux, on réoccupe la rive gauche du Rhin. Mais bon, ça, c'est après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais déjà bien avant, la Reich Wehr démocratique qui avait massacré Rosa Luxembourg grâce à la gauche du capital, et le parti bolchevique qui avait massacré la commune de Kronstadt se mettent d'accord sur le fait que l'espace russe va permettre à la technologie allemande de développer dans cet espace russe ce que le traité de Versailles
lui interdit de développer sur son propre espace. Donc, les Allemands et les Russes renoncent aux réparations de guerre. Il y avait plein de réparations de guerre possibles à articuler, parce que bon, l'armée allemande avait été en Russie, elle avait détruit de vastes espaces ukrainiens, de vastes espaces biélorusses. Moi, je veux dire, il y avait eu un carnage à la fois humain, technique, industriel. Donc, on renonce aux réparations, et on met en marche des accords spécifiques de correspondance sur toutes les matières essentielles. Le pétrole, le coton, les phosphates, le bois, le caoutchouc, tout ce que vous voulez. Mais la clause la plus importante, c'est la clause militaire. Et c'est ça, Rapallo, la clause militaire. C'est-à-dire que l'armée allemande et la technologie, même si le cheminement idéologique de Versailles a interdit à l'Allemagne toutes ses productions, le savoir mental de ses productions, dans l'appareil bureaucratique de la technostructure, il est là. Donc on va déplacer des techniciens, puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire à Berlin, à Nuremberg, à Munich ou à Cologne, ben, on les envoie à Rostov ou à Kharkov. Et ce qu'ils savent faire, ils vont le faire là-bas. Donc l'armée allemande va développer ses compétences en matière d'artillerie, d'aviation, de chars, dans un partenariat avec l'armée soviétique, et dans le même temps, l'armée soviétique, c'est très très intéressant, vous avez toute une série de bouquins aux éditions Atlas, où on retrouve tout l'historique de l'armement soviétique. Parce que l'armement soviétique a toujours été, à la suite de l'armement tsariste, un armement d'exportation occidentale vers la Russie. C'est-à-dire que les premiers chars russes, c'est des chars Renault recomposés pour les chars légers. Pour les chars moyens, c'est de la recomposition technologique anglaise de chars Vickers. Et ainsi de suite. Pour l'aviation, les Polikarpov, ce sera une jonction entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et donc, ce qui se crée en Allemagne, c'est que toute l'industrie allemande, Krupp, va aller implanter des usines à Rostov, à Kharkov, et toutes les grandes usines allemandes, les Junkers, les futurs Panzer, travaillent en Allemagne pour équiper l'armée allemande, mais pour équiper l'armée russe. Et il ne peut pas y avoir de développement industriel, militaire et civil, même les tracteurs, il y a entre les usines de tracteurs et les usines de chars des complémentarités dialectiques. Le tracteur peut devenir un char, puis le char peut redevenir un tracteur. Donc il se crée en avril 22 quelque chose de spécifique, c'est le traité de Rapallo, suite à la guerre de Versailles, suite au traité de Versailles, qui vise à permettre le surgissement d'une puissance européenne qui, par-delà le traité de Versailles, qui, par-delà le diktat de l'Angleterre et par-delà le diktat de l'Amérique, pourrait produire une puissance de premier plan. Alors ça c'est le traité de Rapallo d'avril 22, mais on va le revoir dans notre développement et dans notre déploiement. Ce n'est pas un machin bizarre comme ça qui est arrivé le 14 ou le 16 avril 22, parce que ça datait du mois de mars 22, qui datait du mois de janvier 21. C'est une longue histoire qui nous ramène à Henri VIII, Élisabeth, le grand conflit de la guerre de 7 ans, les guerres napoléoniennes, le traité de Rapallo en domination réelle et la résurgence d'un archétype dialectique des profondeurs qui positionne ce qu'est la géopolitique des antinomies qui traversent le territoire de la valeur d'échange. Justement, là, vous avez bien parlé du Rapallo 22, et pour faire suite à ce que vous disiez avant qu'on enchaîne sur, les temps récents et ce qui s'est passé
l'Iran, l'Irak, la Serbie, la Yougoslavie et maintenant l'Ukraine. Ça serait peut-être bien justement dans le déroulé de l'émission qu'on revienne sur le avant et justement sur rappeler ce que c'est Rapallo du point de vue de cet invariant historique et de cet invariant de la géopolitique de la valeur d'échange, dans le sens où là vous nous parliez au tout début du traité de Paris. Donc 1763. Vous avez aussi parlé, Francis, de la guerre de 100 ans, finalement, qui se termine à Waterloo en 1815. Finalement, c'est exactement la même chose qui se passe en 1815, qui se passe en 1922 ou maintenant. Le principe, c'est d'empêcher l'unité du continent européen. Et c'est en ça qu'on verra peut-être par la suite dans l'émission que les USA, c'est juste le prolongement de l'Angleterre. On reparlera un petit peu de la filiation entre les deux. Et du coup, pour parler du avant, il y a quand même ce basculement décisif à comprendre entre phase formelle, phase réelle, colonialisme, impérialisme. On verra en quoi ça accélère finalement le jeu du Rapallo. Parce que dans le colonialisme, finalement, les nations se battent pour Rapallo, mais il y a quand même cette partie colonie qui positionne une extériorité dans le conflit. Qui fait que dans la phase, vous en avez parlé, expansion, surproduction, colonisation, il y a une extériorité géographique. Alors que quand on passe en domination réelle, donc crise, guerre, reconstruction, la reconstruction, elle se fait toujours à l'intérieur des blocs finalement historiques qui sont déjà constitués. Et qui fait que du coup, du point de vue de la géopolitique de Rapallo, ça centralise les actions et ça vient réaliser l'essence même de Rapallo. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose à voir sur le avant 1922, si vous pouviez revenir sur le fait justement que c'est un invariant qui débute même à partir de des débuts du capital, en fait, à partir du 13e et à partir de la guerre de 100 ans. Et montrer aussi le fait qu'il y a un basculement, il y a un saut qui se fait entre le colonialisme et l'impérialisme. Parce que vous l'avez dit aussi, l'impérialisme, c'est le début de la notion d'allié, c'est le début de la notion du bien et du mal, de l'opposition, c'est le début de la société du spectacle, en fait, finalement. Et ça me faisait penser aussi, il y a un court texte, je pense qu'il est sur le site Guerre de classe, de Berryou, qui est théorie et cycle révolutionnaire. Et il explique bien qu'à la fin de la phase de domination formelle, enfin en 14, finalement c'est la fin de la politique en tant qu'autonomie nationale. Donc est-ce que vous pourriez partir là-dessus, c'est-à-dire le avant 1922, l'invariant, et puis le basculement qui est décisif et la pleine réalisation de l'essence de Rapallo entre colonialisme, impérialisme et donc phase formelle, phase réelle. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs qui, je l'espère, vont aller lire les ouvrages qu'on leur propose de lire, parce que très souvent, j'ai des correspondants qui me posent des questions qui sont déjà résolues depuis tous les livres et tous les articles qu'on a positionnés sur Guerre de classe. Donc, on a des gens qui nous suivent, mais qui ne lisent pas ce qu'il y a sur Guerre de classe et qui ne lisent pas ce qu'il y a dans les bouquins qu'on met en perspective de lecture et en perspective de nécessité. Donc, on ne peut pas avoir la compréhension du tout si on ne se met pas en situation d'être totalement quelqu'un qui veut comprendre ce tout. Donc, il faut bosser un peu. Donc, bosser un peu, c'est aller voir ses articles, c'est aller voir ses bouquins. Effectivement, il y a une grande différence dans cette césure de 14. Avant 14, le capital est en domination. C'est-à-dire que la valeur d'échange a surgi au néolithique. La valeur d'échange a surgi au néolithique dans des formes précapitalistes. Et la forme capitaliste surgit au XIIIe siècle dans les révolutions commerciales italiennes, et elle se développe, elle se développe, elle se développe, et progressivement, elle mange l'avant-capital. Et quand en surgit en domination réelle le premier charnier impérialiste mondial de 14, on est effectivement en domination réelle. Quelle est la grande ligne de fracture entre la domination formelle et la domination réelle? C'est en domination formelle l'hétérodestruction, en domination réelle l'autodestruction. Quand le capital rencontre des crises en domination formelle, il n'a pas encore créé le marché mondial. Il ne s'est pas encore créé comme unité substantielle impérialiste totale. Il y a donc à la fois
au regard des frontières intérieures de chaque État, des formations sociales précapitalistes à digérer, il y a toute une agriculture précapitaliste à manger, il y a tout un artisanat précapitaliste à avaler, et puis il y a effectivement cette problématique du commerce extérieur. Le commerce extérieur en domination formelle est un espace où le capital vient apporter sa note, il vient manger une extériorité. Quand les Anglais et les Français s'affrontent dans ce grand territoire de l'Amérique du Nord, ils s'affrontent pour savoir de quelle manière et qui va pouvoir avaler à la substance de l'État français ou à la substance de l'État anglais ces territoires qui sont l'expression d'un mode de production anté-capitaliste. Les Hurons, les Mohawks, les Abénakis, les Creeks, les Iroquois représentent un avant-capitalisme. Et à travers des commerces pré-capitalistes, mais qui annoncent le capitaliste, on organise la traite des fourrures, on organise le marché du bois, on organise toute une série de séquences, mais qui sont pré-capitalistes pour être mise en mouvement dans un rapport de temps précipité qui va construire le capitalisme. Mais on voit bien qu'entre la guerre de 7 ans, où les Français et les Anglais s'affrontent pour savoir qui va maîtriser Québec, qui va maîtriser le fleuve Saint-Laurent, on a un combat de territorialité. Maîtriser un territoire. Les guerres de la domination formelle sont des guerres où on maîtrise un territoire. Et plus les guerres de la domination formelle se rapprochent de la domination réelle, plus la domination du territoire, de l'espace, est déterminée par une surcatégorie qui est la domination du temps précipité, du temps de la valorisation. Toute la stratégie Clausewitz, Hegel, Marx, telle qu'elle est positionnée dans l'anti-During, telle qu'elle est positionnée dans les correspondances stratégiques de Marx et Engels, c'est de bien comprendre que la guerre pré-capitaliste est une guerre pour l'espace. Parce que sa surdétermination, c'est la rente foncière agricole. À partir du moment où j'entre dans le XIIIe siècle et que je vais vers 1914, j'ai un dialogue entre la rente foncière, la rente commerciale, la rente industrielle, la maîtrise de l'espace agraire et la maîtrise du temps technologique à valoriser. Puis progressivement, j'arrive à 14 et là, la maîtrise du temps technologique à valoriser, la machine-outil, la flotte, le train Berlin-Bassora, je suis dans la compréhension de ce que Marx va définir comme la plus-value relative, c'est-à-dire la pure technologie de la valorisation despotique de la valeur d'échange. Donc, la guerre en domination réelle consiste bien à maîtriser des espaces, mais uniquement parce que ces espaces sont les supports d'une valorisation technologique, ce qui n'est pas le cas en domination formelle. Donc, en domination réelle, j'entre dans une guerre spécifique qui est la guerre de la contradiction valorisation-dévalorisation. Quand au Moyen-Âge, j'ai la guerre des Plantagenets pour savoir qui va maîtriser l'Anjou, qui va maîtriser l'Aquitaine, il n'y a pas une problématique de marché extérieur, il n'y a pas une problématique de technologie, de baisse du taux de profit, de rendement et de saturation des marchés. Il s'agit simplement de savoir qui va maîtriser les vins de Bordeaux, qui va maîtriser les céréales de l'Agenais, qui va maîtriser les fruits du Quercy. On est dans une rente foncière à rentabiliser sur une production agraire. Et ce n'est pas du tout le même type de guerre. Donc, il faut bien comprendre que j'ai la guerre du temps précapitaliste, qui est la guerre de l'espace foncier, avec les territorialisations nécessaires qui en découlent. Et à partir de 1914, j'ai la guerre capitaliste totale. La totalité de ce que je regarde d'un espace devient l'expression de la valorisation technologique de la valeur d'échange. Quand il y a la guerre entre les Allemands et les Anglais pour la problématique de Bassora, c'est la problématique de Bassora, non pas simplement parce qu'il y a des puits de pétrole dans un espace donné, c'est parce qu'il y a toute une implication stratégique dans la composition organique pour la reproduction d'ensemble du cycle du capital. Je suis très, très loin de ce qui se passait quand Aliénor d'Aquitaine
et les Capétiens s'opposaient sur la dîme ecclésiastique de la région de l'Hérault. On est passé dans un autre monde. On est passé dans un autre monde. C'est la guerre précipitée du temps capitaliste et de la dévastation. Et c'est pour ça, que surgissent ces guerres mondiales où tout est détruit. Les guerres de la domination formelle sont des destructions partielles, momentanées, sur des territoires spécifiques. La grande guerre totale que l'on commence à voir surgir, on l'a dit dans notre émission sur la guerre, c'est la guerre de sécession, qui est, même si elle a lieu en domination formelle, puisqu'on n'est pas en 14, on est dans les années 1870, c'est une préfiguration de la technologie intensive du Nord contre les zones agraires du Sud. La grande randonnée des troupes de Sherman sur le Sud pour brûler Atlanta et pour dévaster le Sud, c'est la préfiguration de ce qui se passera en 14 et de ce qui se passera encore plus en 39. Donc le concept de guerre totale, il surgit avec la domination réelle du capital. Il y a une guerre totale entre Rome et Carthage, mais ce n'est pas une guerre qui détruit le potentiel technologique de l'autre. C'est une guerre qui remplace spatialement la présence de l'autre. La guerre totale que l'on a connue en 39-45, où Allemagne, année zéro, il n'y a plus une seule ville allemande debout, c'est la domination réelle du capital. Cologne, Berlin, Dresde, on n'a jamais vu ça avant ça. C'est la première fois qu'on a une totale déstructuration à la fois des espaces, des industries, des structurations à ce point-là. Même le Japon n'a pas connu. Les gens ont un petit peu un prisme défiguré parce que guerre nucléaire, le bombardement classique de Tokyo au phosphore a tué plus de gens qu'à Hiroshima. Alors les gens ont dans la tête le feu nucléaire, mais le bombardement classique de Tokyo a tué plus de gens qu'à Hiroshima ou à Nagasaki. Et il n'y a pas eu de bombe nucléaire sur l'Allemagne, mais en 1945, il n'y a plus une seule ville allemande debout. Donc, comprendre ça, c'est comprendre les enjeux de la triade dialectique, crise-guerre, reconstruction. Il se passe quelque chose de décisif à partir de 14, c'est que les enjeux stratégiques montrent clairement que ce sont les enjeux stratégiques de la domination réelle. C'est-à-dire, quelles sont les puissances à l'œuvre ? Les puissances à l'œuvre, du point de vue de la plus-value relative, du point de vue de la technologie capitaliste de la baisse du taux de profit, sont les puissances qui ont un potentiel technologique de pointe dans le cadre de ce que Marx, dans les quatre livres du Capital, a positionné comme le mode de production de la cybernétique totale du capital. Et là, on a la détermination, les deux puissances mondiales, c'est l'Europe et les États-Unis. Alors, les États-Unis sont constitués déjà comme puissance mondiale. Les Européens, dans le cadre de toutes les guerres qu'il y a eu avec l'Angleterre en domination formelle, sont précisément dans le divisé et dans le scindé. Ils sont donc dans le contre-unitaire. On a de Los Angeles à Washington une puissance américaine qui est constituée hégémoniquement et qui est la première puissance mondiale. Mais elle n'est la première puissance mondiale que ce qui s'est constitué de Los Angeles à Washington ne s'est pas constitué de Brest à Moscou. C'est donc une puissance hégémonique de premier plan par défaut. Elle n'est puissance hégémonique de premier plan que parce qu'au traité de Versailles, on a brisé l'Europe. Ensuite, dans toutes les années qui séparent 1839, on a foutu un bordel généralisé par le biais de la crise économique, par le biais de la crise financière, par le biais des manipulations diplomatiques pour qu'il n'y ait pas d'Europe. Avant d'envahir la Pologne,
Il y avait en Pologne, à l'époque, une caste militaire qui datait de la guerre polono-française, de la guerre polono-russe. D'ailleurs, De Gaulle avait été travailler dans les années 1920 avec l'armée polonaise pour repousser les troupes bolcheviques. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait le colonel Beck. Et le colonel Beck, qui était donc le chef de la nomenclature polonaise, a à plusieurs reprises pratiquement accepté des accords avec l'Allemagne. Il y a eu des rapprochements à plusieurs moments, Bulgarie, Roumanie, Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du traité de Versailles et 1939? Une opération industrielle généralisée intensive, que l'on retrouve d'ailleurs dans un ouvrage très intéressant de Paul Racinier qui s'appelle « Les responsables de la Seconde Guerre mondiale », pour empêcher l'unité européenne. Là, Paul Racinier et Marx sont sur le même territoire. Qu'est-ce qui fait la puissance de l'Angleterre en domination formelle? C'est la division européenne. Qu'est-ce qui fait la puissance anglaise puis la puissance américaine? C'est la division européenne. Et c'est ça l'archétype dialectique de Rapallo. Si je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure, quelle est la première puissance mondiale? Il n'y en a qu'une. C'est l'unité stratégique du développement capitaliste technologique qui relie Paris, Berlin, Moscou. À un moment donné dans l'histoire, après donc le traité de Rapallo d'avril 22, on a une conclusion dialectique qui se met de manière opératoire en consolidation et en durabilité, c'est le pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique, il n'invente rien, il reprend Rapallo. Le pacte germano-soviétique, il reprend Rapallo. C'est-à-dire que le pétrole, le coton, le blé, les phosphates, le bois, le caoutchouc de Rapallo, on le retrouve dans le pacte germano-soviétique. Mais le pacte germano-soviétique, il constitue quoi? Il constitue la première puissance mondiale stratégique de la planète. Et je redis souvent avec tous les correspondants qui me posent des questions sur Clausewitz, sur toutes ces problématiques-là, si le 6 juin 1944, les Américains avaient voulu débarquer en Normandie, mais que le pacte germano-soviétique ait continué son existence, ils ne débarquaient pas. Parce que les Américains ne débarquent pas le 6 juin 1944 parce qu'ils ont la volonté de débarquer. Ils débarquent parce qu'au même moment, dans le cadre de toutes les opérations offensives de l'armée rouge, Bagration, etc., on a les deux tiers de l'armée allemande qui est congelée face à la grande offensive du printemps et de l'été 1944. Mais si ces troupes-là sont sur le front normand, les Américains ne débarquent pas. Donc, la question… Alors, il faut rappeler que dans toutes ces configurations-là, nous ne prenons pas parti… Il faut le rappeler toujours parce qu'on s'en branle. Guerre de classe est un groupe communiste radical pour l'émancipation de l'espèce humaine. Donc, il faut toujours redire qu'à l'échelle mondiale, pour l'émancipation humaine, nous sommes pour la solution à zéro État, en Palestine comme partout ailleurs. Donc, on n'est pas plus russolâtre que anglolâtre, américanolâtre. On n'est pas l'âtre du tout. Nous, on n'est pas l'âtre du tout. Nous sommes les hommes de l'amour de l'être générique et de l'émancipation humaine, donc à bas tous les États. Donc, ces perspectives d'analyse géostratégique, nous ne les mettons pas en mouvement pour choisir un camp comme un contre un autre. Aujourd'hui, vous avez toute une série de chapelles néo-dissidentistes qui sont au cul de Poutine contre l'Ukraine. Nous, on est au cul de personne. À bas tous les États, à bas toutes les mafias, à bas tous les gangs. Parce que nous n'avons pas oublié qu'en 1956, les gangs soviétiques, les gangs anti-soviétiques se sont tous retrouvés pour massacrer le prolétariat de Budapest qui, justement, dans le cadre de ses conseils ouvriers, portait en perspective l'abolition du salariat. Nous n'avons pas oublié les prolétaires de mai 37 qui ont été écrasés par le condominium États-Unis, Angleterre, Russie, puisqu'il y avait des flottes de tous ces pays-là qui barbotaient autour de Barcelone. Parce que si Barcelone s'était véritablement insurgée
d'une manière radicale, les polices politiques de tous ces impérialismes étaient là à surveiller, donc à bas tous les États. Ceci dit, il faut analyser la géopolitique du capital. Il n'y a pas de géopolitique, il y a une géopolitique du capital mondial. Et il faut l'analyser parce que cette géopolitique du capital mondial, elle découle de la saturation des marchés, elle découle de la baisse du taux de profit et elle découle bien évidemment de la problématique de la lutte de classe. Donc c'est parce que nous sommes attachés à la lutte de classe et à la perspective zéro État, à bas l'argent, à bas la marchandise, que nous nous intéressons à cette géopolitique de recomposition et à Rapallo. On ne fait pas du Rapallo parce qu'on veut créer une nouvelle école stratégique. On fait du Rapallo parce qu'au bout de cette compréhension radicale, il y a la révolution mondiale et l'abolition de l'État et du salariat. Mais ceci dit, il faut bien comprendre que et Marx et Engels n'ont pas cessé de bosser ces problématiques géostratégiques parce que, comme on l'a dit au début, derrière la guerre de classe entre les gangs impérialistes, entre les gangsters impérialistes, il y a la guerre de classe du prolétariat contre tous les gangsters impérialistes. Donc, il faut comprendre ce qui se passe dans la géopolitique qui est la géopolitique de l'aliénation mondiale, parce que derrière la crise que va rencontrer cette géopolitique de l'aliénation mondiale, on a le surgissement subversif du prolétariat communiste. En ce qui concerne justement la contradiction entre ces deux pôles, vous en avez déjà un petit peu parlé, il y a la guerre interimpérialiste. Un communiste s'en branle, il n'est ni pour un côté ni pour un autre, mais par contre, la contre-aliénation ne peut surgir que d'un de ces blocs aliénatoires, alors que de l'autre, pas du tout. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question et en quoi c'est important pour l'auditeur et pour le prolétariat ? Alors, on est contre tous les camps, mais ce qui va faire surgir la révolution, c'est pas qu'il y a un camp qui va s'effondrer, c'est que tous les camps vont s'effondrer. C'est que tous les camps vont s'effondrer. Donc, si vous voulez, au bout… Alors, on a cette émission sur Rapallo, on aura une nouvelle émission sur la crise terminale. Il faut rappeler à nos auditeurs que la crise du capital n'est pas une crise de mauvaise gestion. Ce n'est pas une crise de la planche à billets qui est devenue folle. Ce n'est pas une crise de la banque qui s'est autonomisée. Tous les gens qui focalisent un aspect de la crise ne comprennent pas que le fondement de cette crise, c'est la saturation des marchés radicalement inévitable, c'est la baisse du taux de profit incoercible, et derrière, on en revient à ce que l'on a positionné à plusieurs reprises, en particulier dans la crise définitive du capital, cette fameuse correspondance entre Marx et Engels du 2 avril 1858, où Marx montre de manière extrêmement claire que le marché mondial de l'aliénation va s'écrouler au moment où l'ensemble des implications réciproques sur le capital, la propriété foncière, le travail salarié, l'État, le commerce international, le marché mondial vont s'effondrer. Mais ces six problématiques, capital, propriété foncière, travail salarié, État, commerce international, marché mondial, ce ne pas des glaçons qui flottent dans l'eau. C'est des catégories qui sont unifiées dans un rapport social de détermination qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Et le fétichisme de la marchandise, c'est le fait que l'intégralité de la vie humaine, la vie de la production humaine, la vie de la reproduction humaine est déterminée par la monnaie. Mais la monnaie qui n'est pas un objet, l'économie croit que la monnaie est un objet qui facilite les échanges, que c'est un objet qui permet les échanges. Or, ce que montre Marx, c'est que la monnaie est tout sauf cet objet-là. Elle est d'abord la métastase d'une relation sociale aliénatoire où l'homme est tout entier absorbé par le règne de la quantité marchande. C'est parce que l'homme est absorbé dans le règne de la quantité marchande qu'il est absorbé par l'industrie d'une unité de compte de la valorisation, il est absorbé par une industrialisation de la réserve de valeur de l'exploitation qui elle-même est une
réserve de médiation des échanges de l'aliénation. Et tout ça est codifié dans un rapport social qui s'appelle l'aliénation, qui fonctionne tout au fil du temps, parce que les étalons symboliques de cette représentation fétichiste, le fameux hiéroglyphe, fonctionne. Donc, on a l'or, on a la livre sterling, on a le dollar fixe, on a le dollar flottant, on a l'euro, puis à un moment donné, on a un gigantesque bordel qui explose dans les taux d'intérêt négatifs, mais tout ça, ce n'est pas une problématique bancaire ou monétaire parce que c'est mal géré ou parce que les gens sont fous. C'est la marque absolument nécessaire de l'hubris du capital dans sa rencontre dialectique entre l'illimité et l'illimité. Et donc, ça ne va pas s'effondrer parce qu'il y a un camp qui va s'effondrer. Ça va s'effondrer parce que tous les camps du capital vont s'effondrer. Donc aujourd'hui, ce traité de Rapallo de 22, ce traité de Rapallo de 22, il est l'archétype dialectique parce que il a toujours existé, il a toujours existé depuis la nuit des temps de la domination formelle du capital. Vous avez des écoles stratégiques qui ont focalisé la mer. J'ai plusieurs correspondants qui me disent, mais bon, parlez-nous des écoles stratégiques anglaises ou américaines. Mais justement, ce sont des fétichisations qui n'ont pas de sens. Si vous prenez Mahan pour les États-Unis ou si vous prenez Mackinder pour le Royaume-Uni, ce sont des théoriciens qui ont fétichisé la surdétermination du rapport naval sur le rapport terrestre. Allez, on dit, la puissance navale détermine la puissance terrestre. Mais Marx, à partir de Hegel, à partir de Clausewitz et au regard du mouvement réel, vous dit, mais c'est débile. Ce n'est pas la puissance navale qui détermine la puissance terrestre. C'est la puissance navale de la valeur d'échange qui détermine la puissance terrestre. Ce n'est pas parce que l'Angleterre a une flotte, à partir de cette prolongation dialectique qui d'Henri VIII à Élisabeth jusqu'à Cromwell va nous faire rencontrer la marine hollandaise d'Amsterdam et que va surgir l'empire hollando-anglais, que surgit une détermination anglaise. La flotte n'est que l'incarnation hiéroglyphique dans le palpable, dans le visuel, qui a une technologie de la valorisation industrielle qui a supplanté la valorisation agraire, qui permet la construction de la flotte. Ce qui fait la puissance de la flotte, ce n'est pas qu'il y a des bateaux sur l'eau qui peuvent faire un blocus. C'est qu'il y a une industrie dans le cadre d'une spécification du rapport social qui a pu produire la production de la flotte. Donc, vous pouvez passer tout votre temps à lire Mackinder ou Mahan sur la détermination navale par rapport à la domination terrestre, vous n'avez rien résolu, parce que vous ne comprenez pas ce qu'est un bloc impérialiste à tendance hégémonique sur un territoire donné. Ce n'est pas la puissance navale qui fait la puissance, c'est la puissance industrielle d'un degré technologique de capitalisation qui a produit la possibilité, puis la nécessité de la flotte. Donc l'Angleterre n'est pas une puissance navale parce qu'elle est sur une île, elle est une puissance navale parce qu'elle est devenue, à partir justement de ce que Marx montre dans le livre 1 du Capital, à partir d'Henri VIII, dans le mouvement des enclosures, autour du mouton, de l'industrie et de la déstructuration de l'économie naturelle, une économie à potentiel hégémonique qui, en rencontrant Amsterdam, va à un moment donné permettre un surgissement qui écrasera l'invincible armada. Donc, comprendre toutes ces problématiques-là, c'est se situer au cœur dialectique de l'histoire des complexités déterministes. Et c'est ce qui permet de comprendre Rapallo. Rapallo, en 1922, c'est le ressurgissement en domination réelle d'une constante de la capitalisation. Il s'est passé quelque chose en Angleterre, dans cette grande contradiction qui opposait les Plantagenêts aux Capétiens. Et il y a eu une autonomisation de la valeur d'échange à potentiel industriel et commercial par rapport à la valeur d'échange classique qui était née au néolithique et qui demeurait pour une large part surdéterminée par la rente foncière agricole. Et la guerre de Cent Ans, ce sont ces prémices par lesquelles une Angleterre navale
Mais ce n'est pas parce que l'Angleterre est navale, c'est parce que l'Angleterre a une spécificité dans sa rente foncière qui l'a fait navale qu'il y a la guerre de Cent Ans. Et à partir de là se crée toute une complexité stratégique tout au cours de la domination formelle, XIIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, cette puissance industrielle qui n'est pas navale d'abord, mais navale ensuite, ne peut instaurer son hégémonie, et on en revient au commerce extérieur par rapport à la question que posait Thibault tout à l'heure pour différencier la domination formelle et la domination réelle, le colonialisme anglais. Et donc, le colonialisme anglais, le surgissement de cette puissance navale, parce qu'il y a une spécificité dans l'histoire dialectique de la détermination de la rente foncière Henri VIII, Elizabeth Cromwell, pose une détermination dans la géopolitique mondiale de l'aliénation en travail au niveau des déterminations de la puissance qui va exprimer le rapport plus-value absolue, plus-value relative, dans le cadre de cette composition organique qui n'est pas simplement une catégorie qui définit les seuils du capital, mais qui définit la composition organique de la formation sociale, des écoles stratégiques, de toutes les habitudes, des mœurs, des évolutions. Et donc, à partir de là, l'Angleterre, qui se positionne comme puissance maritime de la valeur d'échange, n'a de possibilité que si elle produit une fragmentation infinie du continent européen. Même au moment où Cromwell positionne le déclenchement de cette puissance navale du capital, vous voyez bien que l'Espagne est encore considérable, le Portugal est encore considérable, l'Autriche-Hongrie est considérable, la Pologne à l'époque, le royaume polono-lituanien, c'est considérable, les Allemagnes sont considérables, la Suède est considérable. C'est-à-dire que l'Angleterre ne peut pas exister dans la marche à son hégémonie si elle n'est pas en même temps ce qui neutralise les puissances continentales. Donc l'Angleterre, dans ce rapport social géopolitique de la valeur d'échange, se met d'emblée hors Europe. Quand l'Angleterre a voulu rentrer dans l'Europe, De Gaulle disait « c'est pas l'Europe ». Pourquoi c'est pas l'Europe ? Parce que la puissance anglaise n'existe que si elle est meurtrissure infinie de l'unité européenne. Donc, toute l'histoire des guerres, de la diplomatie, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de la colonisation anglaise, c'est la dévastation de l'ordre européen. Chaque fois que l'Angleterre intervient dans ce qu'on appelle la rencontre des nations européennes, jusqu'au congrès de Vienne en 1815, après avoir instauré son hégémonie post-Waterloo, c'est quelle est la politique de l'Angleterre ? C'est morceler l'Europe. L'Angleterre n'existe que si elle morcelle l'Europe. Et vous avez cet exemple prodigieux au moment de la guerre de Crimée, qui prépare la guerre entre Napoléon et Bismarck. La guerre de Crimée, c'est une guerre qui, après 1815, après la vassalisation complète de la France dans le cadre de la Restauration, puis Charles X, Louis-Philippe, la politique française de Napoléon III, c'est la politique française que lui concède la City. La France va donc faire la guerre anglaise pour bloquer les Russes et permettre que le moribond ottoman continue d'exister. C'est une guerre qui, sous tous les aspects, si vous bossez la guerre de Crimée, est une absurdité totale. Mais Napoléon III va la faire pour l'Angleterre. Et de la même manière, il va y avoir la guerre franco-française. C'est-à-dire que par le jeu des duplicités commerciales, de la géopolitique de la valeur d'échange, par le jeu des services, des infiltrations, des manipulations, l'Angleterre pousse toujours ses concurrents qui, s'ils s'unifiaient, la dépasseraient, à s'autodétruire. Donc l'Angleterre est une puissance extrêmement moyenne, mais qui, par le degré technologique et par le degré de toutes les manipulations géopolitiques et idéologiques qui en résultent, n'a pas cessé depuis Azincourt
depuis Azincourt, de diversifier toutes les opérations possibles de neutralisation de ses, de ses concurrents européens. Et Rapallo en 22, c'est quelque part sous une forme moderne en domination réelle, l'accord que le tsar Paul Ier avait voulu enclencher avec Napoléon Ier. Paul Ier a été assassiné par les services secrets anglais. Son fils Alexandre Ier a essayé plus ou moins, mais il n'y est pas parvenu. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Congrès de Vienne, c'est Alexandre Ier qui est le seul à défendre, grosso modo, les intérêts français, alors que Talleyrand est tout au cul du ministère anglais. Donc, l'Angleterre a une vocation stratégique mondiale, c'est empêcher que Paris et l'Allemagne, c'est empêcher que Paris et l'Italie s'unifient dans une puissance qui, si elle s'élaborait, la remplacerait. Et donc Rapallo, c'est ce premier moment où une puissance européenne, après tout ce qu'on a pu voir, si vous voulez, je repense au traité de Paris, parce que le traité de Paris, on en a parlé à plusieurs reprises, mais le traité de Paris, il est incroyable. C'est-à-dire que la France, qui est sur une rente foncière agricole, alors manufacturière, puisqu'il y a le développement du capital, mais c'est une rente foncière manufacturière, abandonne en 1763 l'Amérique du Nord aux Anglais. On va garder ce qu'on appelle la Louisiane avec un certain nombre de forts qui descendent jusqu'à la Floride. Mais si la France avait conservé le potentiel d'Amérique du Nord, l'Angleterre était terrassée. Donc l'Angleterre s'est employée à la fois militairement et idéologiquement. Rappelez-vous que Voltaire a un imaginaire pro-anglais absolu. On reparlera tout à l'heure, quand on va parler de l'Ukraine, de la vassalisation culturelle. Mais toutes les classes dominantes françaises qui nous amène à 1789 et à la révolution capitaliste des droits de l'homme d'affaires, sont anglicisées, pathologiquement anglicisées. Elles sont anglophiles, schizophrènes et paranoïaques. Donc je veux dire que l'Angleterre a son armée. À Londres, tout le monde est anti-français, mais à Paris, tout le monde est anglophile. Et Voltaire n'arrête pas de dire « Oh, le Parlement anglais, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » Donc, la guerre de 7 ans est à la fois une guerre militaire et une guerre idéologique, mais du point de vue de l'idéologie, la France l'a perdue dès le début. Parce que l'Angleterre, le maçonnisme, les loges du capital, Anderson du capital, le maçonnisme est déjà à la cour. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à toutes les conneries wokistes, indigénistes aujourd'hui, c'est ce qui se passe après le départ de la France en 1763. Alors j'ai quelqu'un qui m'a écrit du Québec et qui m'a dit « Rappelez-nous Pontiac ». En 1763, les troupes françaises quittent le Québec, c'est 1763. Mais parfois, j'ai des problèmes avec les dates. L'insurrection de Pontiac, ce n'est pas 1763, ça doit être 1769. Et donc, Pontiac, l'insurrection des Indiens d'Amérique du Nord, toutes les tribus se fédèrent à Pontiac contre le génocide de la valeur d'échange colonialiste anglaise. Il y a une gigantesque insurrection, les Français sont partis, et les Outaouais, les Cherokees se rendent bien compte que l'heure de la mort est arrivée. Et que font Pontiac et, entre guillemets, les responsables indiens? Ils appellent Louis XV à revenir. Surtout revenez, parce que sans ça, les Anglais vont nous exterminer. Donc, on a deux modèles de colonisation. La colonisation judéo-protestante à valorisation intensive dans le cadre de la révolution vétérotestamentaire cromwellienne. Et de l'autre côté, on a effectivement, dans le cadre de ce qu'est le colbertisme, une colonisation tempérée qui, quand elle s'en va, est rappelée
Parce que l'autre est tellement terrible que pour y échapper, il faut que Louis XV revienne. Et imaginez le devenir du monde. Alors là, on fait de l'Uchronie. Imaginez le devenir du monde si au traité de Paris en 1763, ce n'est pas la France qui avait été expulsée du Québec, mais c'est l'Angleterre. Tout le devenir de la marchandisation et de la domination réelle en aurait été modifié parce qu'on n'aurait pas eu les implications stratégiques qu'on a eues avec ce gigantesque mouvement d'extermination du judéo-protestantisme, de la valeur d'échange anglo-protestante. Ce qui est fantastique, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure sur les Philippines, les 1 500 000 Philippins exterminés par l'armée américaine, vous n'avez jamais entendu à la radio, vous n'avez jamais vu une émission à la télé là-dessus. Les Philippins exterminés par les Américains, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, on a le passage pathologique à l'industrialisation du terrassement. Biden vous dit, Poutine boucher, Saddam Hussein assassin, Kadhafi criminel. C'est-à-dire que ce qui matérialise l'impuissance pathologique du judéo-protestantisme américain, c'est l'extermination de l'adversaire. Je redis souvent, pendant cette fameuse guerre de 1763, alors que les Anglais ne respectent pas leurs paroles, à plusieurs reprises, Montcalm, dans le cadre d'une chevalerie qui vient d'ailleurs, dit « Bon, on a fait des prisonniers anglais, si vous nous donnez la parole qu'ils ne se représenteront pas sur le terrain des hostilités, que vous les rapatriez en Angleterre, on les libère. » À plusieurs reprises, les Anglais disent « Oui, on les libère. » Mais ils ne les ramènent pas en Angleterre, ils les remettent sur le champ de bataille. Donc, il y a un non-respect de la parole donnée. Quand vous voyez le film « Le dernier des Mohicans », qui est quand même une production anglo-américaine, on voit bien Montcalm, après le siège du fort William Henry, et ça c'est archivé, qui laisse sortir la garnison anglaise et qui lui rend les honneurs. Par contre, au terme de cette sortie, les Indiens vont massacrer la garnison anglaise qui est sortie avec les honneurs. Parce que les Indiens se disent, si les Français ont de l'honneur, les Anglais n'en ont pas. Donc, les Anglais qui exterminent nos familles, on les extermine. Donc, après la reddition de la garnison de Fort William Henry, Montcalm laisse partir les Anglais. C'est les Anglais, c'est les Indiens pro-français qui vont exterminer les Anglais. Et parce qu'ils savent très bien que derrière la monstruosité anglaise, il y aura la monstruosité américaine et l'extermination totale. Et l'extermination totale. Aujourd'hui, de Boston à Los Angeles, à part 3 ou 4 réserves d'alcooliques qui jouent au casino, la population anglaise a disparu de la surface de la Terre. C'est l'ordre américain. C'est l'ordre américain. Et l'ordre américain qui déchire les traités, qui ment impunément, c'est précisément ce que le capital produit en contre-réaction à Rapallon en 2022, il faut échapper à cette mainmise. Et donc, la réalité du point de vue de la baisse du taux de profit, du point de vue de la technologie, quand nous disons la guerre mondiale, domination réelle, à partir de la domination réelle, le cycle du capital, c'est crise, guerre mondiale, reconstruction. Mais guerre mondiale entre qui et qui ? Guerre mondiale entre les puissances technologiques de haute intensité. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis. Quand la Russie et les États-Unis s'affrontent de manières diverses et variées à la périphérie de la géopolitique mondiale de la valeur d'échange, c'est toujours parce que c'est articulé à une concentration de contradictions centrales préalables. La Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Amérique, les États-Unis et la Russie ne s'affrontent pas. L'hégémonie idéologique, l'hégémonie financière,
l'hégémonie stratégique américaine a réussi à casser le pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique qui aurait pu donner à la Russie et à l'Allemagne unifiées dans ce qui découlait justement des accords secrets d'août 1939 à Moscou a été brisé. Non seulement les États-Unis vont ravitailler Moscou dans une quantité absolument incroyable d'armements, chars, jeeps, camions, avions, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils vont se servir de l'ordre de Yalta pour écraser l'Europe de l'Ouest de telle sorte qu'elle ne puisse avoir aucune vocation à l'autonomie et qu'elle vienne pleurer dans les jupes de l'OTAN. Après 1945, l'Europe est divisée en deux. Pourquoi elle est divisée en deux ? Elle n'est pas divisée en deux parce que Moscou l'impose. La puissance militaire, technologique et stratégique de la Russie, c'est celle que lui concède l'Amérique. La Russie a un potentiel technologique dans le cadre des accords germano-soviétiques qui découlent de Rapallo à partir effectivement du traité Ribbentrop-Molotov, mais parce que Tupolev, quel génie de l'aéronautique russe, il a bossé pour les usines Junker qui, dans le cadre du traité de Rapallo, étaient en Russie. Le fameux T-34, qu'est-ce qu'il a comme moteur ? Le T-34, il a un moteur BMW. La Kalachnikov et tous les fusils d'assaut soviétiques, alors je ne parle pas l'allemand, Daniel, je crois que vous parlez l'allemand, c'est issu d'un truc Sturmgenschön, je ne sais pas comment. Enfin bon, les amateurs du détail pourront vérifier. Il n'y a pas de technologie militaire soviétique autonome. Au début, c'est Renault, c'est Vickers, après, c'est Junker, c'est les Panzers, et puis après, par les convois de Mourmansk, c'est toute l'industrie militaire américaine qui vient déverser des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel américain. Pourquoi ? Parce que l'objectif central de l'impérialisme américain, c'est la division de l'Europe. Donc, s'il y a cette puissance soviétique qui a été créée de toutes pièces et que de l'autre côté, l'Europe de l'Ouest est intégrée à l'OTAN dans le cadre de ce qui découle du tribunal de Nuremberg, vassalisation culturelle, vassalisation industrielle, vassalisation stratégique, et l'Amérique est maître du monde. Mais on en revient à Elisabeth et à Cromwell. Pourquoi la Navy maîtrise le monde ? Parce qu'elle a séparé l'Espagne de la France et la France de l'Allemagne. Pourquoi la Navy américaine et pourquoi Wall Street sont aux manettes ? Parce qu'après l'endettement de 1914, même les puissances gagnantes sont vaincues puisqu'elles sont usées financièrement. Et la puissance de Paris, elle est dans le coffre-fort de la banque américaine. On nous parle de la Seconde Guerre mondiale et des rapports Pétain-Hitler. Mais Pétain, il est constamment en relation avec l'amiral Leahy et l'Amérique. Pétain attend l'Amérique. Et puisque je parle de la Seconde Guerre mondiale, la flotte française, qui est cette hantise de la flotte américaine, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande part des conflits les plus majeurs n'ont pas été gagnés sur le terrain, mais ont été gagnés dans le cadre des réseaux financiers, dans le cadre des réseaux diplomatiques et dans le cadre des réseaux des services spéciaux. Les Américains et les Anglais ont eu très très rapidement, par le biais d'agencements multiples, connaissance de la machine Enigma qui chiffrait à la fois le matériel allemand et le matériel japonais. Donc la plupart des grandes victoires des Alliés ne sont pas dues au génie militaire, ils sont liés à l'infiltration et d'abord à la préconnaissance du plan de l'ennemi. Mais Marcel Kébir, il y a eu la rencontre de Montoir, il y a eu les accords d'armistice, et l'Allemagne, elle est dans un vaste plan d'opérations sous-marinières. Il y a une flotte de surface dans la Baltique, mais l'opération stratégique numéro un des Allemands, c'est la stratégie des convois de meute que l'amiral Dönitz va mettre en marche dans l'Atlantique Nord. La flotte française qui est à Marcel Kébir, ils s'en foutent.
Ils veulent qu'elle soit neutralisée. Donc, dans le cadre des accords qui résultent de Montoire, la flotte française de Mersel-Kébir est bien neutralisée. Donc, Churchill, quand il décide de la détruire, il ne la détruit pas parce que, contrairement à la légende, il a peur que les Allemands s'en servent. Il sait, par la machine Enigma et par toute une série d'attaches et de renvois de documents diplomatiques, que les Allemands n'en veulent pas. Ils veulent simplement sa neutralisation. Les Anglais vont détruire Mersel-Kébir parce que Mersel-Kébir, c'est Rapallo et c'est Azincourt. C'est toujours la même histoire qui court. Empêcher de toute force que la France est une marine et que l'Allemagne est une marine. Et pendant la Révolution française, rappelons que la guerre d'indépendance américaine n'est pas gagnée par Lafayette qui avait, sous l'uniforme anglais, massacré des plénipotentiaires français. La bataille de Yorktown, elle est gagnée grâce à la flotte française que Louis XVI a totalement réaménagée. Et au moment de la Révolution française, là encore, on a cette combinaison contradictoire de la géopolitique des luttes de classe internes et des luttes de classe externes. Bien évidemment que l'Angleterre ne soutient pas la sans-culotterie radicale de Paris. Bien évidemment qu'elle ne soutient pas les paysans insurgés de Vendée ou les chouans de Bretagne. Quant à leur objectif social de radicalité, par contre, elle les soutient pour le bordel. Elle les soutient pour le bordel et elle les soutient pour la destruction de la marine française. Avec Louis XVI, on a une marine française. Avec Napoléon, au moment de Trafalgar et de cette combinaison hétéroclite de Villeneuve entre les troupes espagnoles et les troupes françaises, il n'y a plus de marine française. L'objectif, détruire la marine française, détruire la marine allemande. Donc, il faut bien comprendre que… Et alors là, on est au cœur du hiéroglyphe. La section 1, le fétichisme de la marchandise, est son secret. Il y a le visible et l'invisible. Et on en revient aujourd'hui à tout ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine, en 2022, c'est empêcher à tout prix le nouveau Rapallo qui aurait pu surgir après 1945. Francis, peut-être juste avant de parler de l'Ukraine, pour faire le lien entre tout ce qui a été dit, en gros, le Rapallo de 1922, là, vous êtes arrêté un petit peu à 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et du coup, faire le lien avec l'Ukraine, il y a toute une série d'événements que j'ai commencé à lister tout à l'heure, où finalement, il y a ce qui se passe avec le Shah d'Iran. On a les deux guerres la guerre du Golfe et la guerre d'Irak. Et entre les deux, on a ce qui se passe en Europe avec la Yougoslavie et avec la Serbie. Donc, on voit bien que déjà tous ces événements, c'est pas une succession d'événements où il y aurait une séparation, où il y aurait pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre les deux. Il y a vraiment cette volonté américaine de détruire finalement toutes les liaisons potentielles entre l'Europe et la Russie. Et donc les liaisons potentielles, qu'elles soient commerciales, militaires, économiques, et puis même culturelles, on le verra peut-être si on avance dans l'émission. Vous nous parliez avec l'Iran de détruire le flanc sud, par exemple, de la continuité eurasiatique. Vous nous parliez aussi avec la Yougoslavie et la Serbie, de détruire le cœur, parce que c'était des territoires effectivement de liaison entre ce que pouvait être la France, Berlin et Moscou. Donc déjà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, avant de parler de l'Ukraine, sur toutes ces séries d'événements? Parce qu'en fait, on se rend compte que le Rapallo dont on parle, pour Rapallo, le monde est une sorte de bataille mondiale. Là, je parlais de flanc et de cœur, mais on pense à n'importe quelle bataille historique. Vous avez ces termes-là qui reviennent. Donc, le monde aujourd'hui, du point de vue de l'impérialisme américain qui veut dominer l'axe Euro-Moscou, c'est exactement ça. C'est une bataille mondiale, de géopolitique mondiale du capital qui se joue ici. Donc, est-ce que vous pouvez parler peut-être
je ne sais pas, de la France de Pompidou avec l'Iran, de ce qui s'est passé en Irak, et puis ce qui s'est passé avant l'Ukraine en Europe, parce que les gens ont tendance quand même à oublier qu'avant l'Ukraine, on dit souvent que l'Ukraine, c'est la première guerre en Europe après la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, comme l'oubli de l'histoire, c'est une constante aujourd'hui, il y a quand même eu la Yougoslavie et la Serbie et Belgrade qui a été bombardée dans la fin des années 90. Alors justement, nos auditeurs sont peut-être pas de grands lecteurs. Et à supposer que ce soit des moyens lecteurs, ils ne sont pas forcément tombés sur les textes ou les perspectives qui sont les plus à même de les amener là-dessus. Donc je les renvoie à la critique de la société de l'indistinction, puisque dans la critique de la société de l'indistinction, on avait fait toute une mise en perspective en amont, avant que ça arrive, de cette position-là. Rapallo, personne n'en parle. À part guerre de classe, et on ne parle pas de Rapallo parce que nous sommes des férus de l'histoire diplomatique internationale. On parle de Rapallo parce que c'est une incarnation historique déterministe de la dialectique des forces productives du capital vers la crise terminale du capital, vers la révolution sociale et vers le surgissement du communisme. Donc, il faut bien comprendre que le 14 ou le 16 avril 22, quand a lieu le traité de Rapallo, qui vient en quelque sorte synthétiser les accords de Gênes, on a le surgissement dans l'histoire, de manière visible, de manière incarnée et sur une longue durée, d'accords civils, commerciaux, militaires, stratégiques, qui font de la Reichswehr et du capitalisme d'État bolchevique la première puissance politique, économique et militaire éventuelle du monde. Mais ça, c'est la reprise de cette constance qu'on a vue à travers la guerre de Cent Ans, qu'on a vue à travers les guerres napoléoniennes. Vous connaissez le fameux Delenda et Carthago. Il faut détruire Carthage. Le Sénat romain, il faut détruire Carthage. Le Parlement anglais, c'est il faut détruire l'Europe. L'Europe ne peut être pour nous un marché. L'Europe ne peut être pour nous un marché que si ce marché est avili, vassalisé et sous totale domination. Donc, pour la City, il faut détruire l'unité européenne. Mais pour l'Europe, il faut détruire l'Angleterre. Ce qu'avait compris Napoléon, le contre-blocus. C'est ou l'Angleterre détruit l'Europe, ou l'Europe détruit l'Angleterre, dans le cadre de la géopolitique du capital. Bon, il n'y a plus d'Angleterre depuis 14, enfin depuis 18. Depuis 18, l'Angleterre a été totalement absorbée par le mouvement de la financiarisation de la crise du capital, qui fait que la City, malgré tout son rôle actif, stratégique, est surdéterminée par Wall Street et par l'hégémonie du billet vert. Donc aujourd'hui, si j'ai une conscience radicale capitaliste, si j'ai une conscience radicale prolétarienne, je dis à bas l'État, à bas l'argent. Mais si j'ai une conscience intercapitaliste radicale, je dis, si je veux que l'Europe vive, à bas l'Amérique. Je dois détruire l'Amérique. Alors je ne suis pas obligé de la détruire avec des bombes. Je peux simplement la détruire avec des agencements économiques, commerciaux, bancaires et monétaires qui la neutralisent. C'est ce qu'avait très bien compris De Gaulle. De Gaulle en 45, il a compris cette réalité de fait, et entre 45 et 58, le traité germano-allemand de l'Élysée avec Adenauer, il s'agit de créer une nouvelle Europe, mais une Europe européenne. Et une Europe européenne sans l'Angleterre, puisqu'il s'agit d'échapper à la mainmise américaine, donc d'échapper à l'Angleterre, qui n'est qu'une métastase de l'ordre américain. On le voit d'ailleurs en Ukraine. Boris Johnson, c'est le larbin absolu, total et permanent de Biden. Il n'y a pas plus américain que l'Angleterre. Donc De Gaulle avait bien compris dans cette vision stratégique qui reprenait Napoléon, qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie stratégique européenne si on ne fout pas l'Angleterre dehors et si on ne contient pas l'Amérique. Donc, depuis 1945, il y a un conflit entre Europe américanisée ou Europe européenne. Et De Gaulle
avec Adenauer, ont tenté, mais le poids de l'hégémonie culturelle, le poids de la vassalisation économique font que toutes ces tentatives-là ont été effectivement écrasées. Alors, écrasées ou par le poids de l'idéologie, ou par le poids des manipulations, ou par le crime. Vous avez une expérience très intéressante. Je renvoie nos auditeurs à l'ouvrage « Commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers ». Il y a tout un passage sur quelles sont les raisons stratégiques pour lesquelles la CIA et le Pentagone ont viré Benoît XVI pour lui mettre à la place Clown François. Bon, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. On a l'assassinat de Mattei. Qui était Mattei? Alors, Mattei, il a dû être exécuté dans les années 60. Je ne sais pas si c'est 61, 63. Bon, Mattei, c'est un ingénieur de haut niveau qui est chargé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de démanteler la technostructure fasciste du pétrole. Mussolini a créé un conglomérat industriel pétrolier. L'Italie, la Libye, c'est les portes de l'Afrique. Donc Mussolini, dans sa volonté de développer une autonomie stratégique italienne, avait développé une structure qui devait s'appeler l'AGFI ou je ne sais pas quoi. Et dans le cadre du résistentialisme d'après 1945, une des premières grandes mesures stratégiques du Pentagone et de la CIA, c'est de briser l'indépendance stratégique italienne. L'Italie, dans les années 50, ce n'est pas l'Italie otanisée d'aujourd'hui qui a des bases partout, qui est au garde-à-vous devant l'ordre américain. Et donc, Mattei est chargé de démanteler cet appareil de technostructure pétrolière italien. Et alors, il va faire le contraire. Au lieu de le démanteler, il va accepter sa mission de démantèlement, mais il va le surmanteler. Donc, il organise un appareil encore plus compétitif, ce qui fait que en 61-63, l'avion de Mattei explose. Ce flanc sud de l'Europe qu'il faut absolument vassaliser, à partir du moment où la politique d'autonomie stratégique de Mattei est mise en marche, il est problématique. Et donc, on l'explique très bien dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, le Pentagone va flinguer Mattei. Et puis, vous avez quelqu'un qui va bosser sur l'affaire Mattei, c'est Pasolini. Pasolini, on nous a fait croire qu'il avait été assassiné, là encore, on l'explique très bien dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, on nous fait croire que Pasolini a été assassiné sur une plage un soir, dans la nuitée, parce que bon, il draguait des jeunes hommes, que ça s'est mal passé. Non, non, Pasolini était en train d'écrire contre la CIA et contre le Pentagone un énorme ouvrage qui devait s'appeler « Pétrole » et qui expliquait comment l'affaire Mattei renvoyait Gladio, l'OTAN, les services secrets américains à la totale subordination de l'Italie. Donc ça commence très tôt, parce que Mattei, on lui file ce boulot-là dans les années 45. Et on lui dit, Mattei, tu bousilles cet appareil stratégique européen. Et comme il fait le contraire, on va effectivement le flinguer. Mais c'est tout ça à tous les niveaux. Quand De Gaulle et Adenauer bossent ensemble pour mettre en marche un traité stratégique de défense européenne, De Gaulle veut un traité stratégique de défense européen, pas vassalisé à l'OTAN. Tous les Jean Monnet de la CIA, tous les banquiers français du mouvement européen, tous les larbins de l'ordre américain vont travailler en surface, en souterrain, pour faire capoter tout ça. Dès que les Américains débarquent, Vous avez certainement eu vent de cette appellation, l'AMGOT. Les Américains débarquent avec un plan de partition administratif et politique. Ils débarquent avec des billets français américains. Ils veulent imposer un franc américain. Ils veulent déjà piquer, entre guillemets, la responsabilité souveraine de l'ordre financier du capitalisme européen et du capitalisme français. Dès 1944, De Gaulle a mené un combat incroyable dans les années 1944-1945, pour justement empêcher cette vassalisation. Et tout le reste a suivi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe depuis 1945? Depuis 1945, les Américains ont très bien compris que si les réseaux financiers
les réseaux spéciaux, les réseaux idéologiques n'avaient pas fait capoter le pacte germano-soviétique, aujourd'hui, on aurait une puissance européenne de premier plan, qui serait la première puissance mondiale. Et après 45, on a cette Europe exsangue. Le plan Marshall, c'est le plan d'absorption pour la neutralisation. Mais au fur et à mesure que le développement de la reconstruction se fait, au fur et à mesure que les balances commerciales japonaises et Europe se rééquilibrent, la hantise de Rapallo, Rapallo est cet archétype dialectique qui traverse toute l'histoire de la domination réelle. Ou l'Europe, ou l'Angleterre, ou l'Europe, ou les États-Unis. Et toutes les guerres mondiales de la suraccumulation du capital, de la surproduction de marchandises, de la saturation du marché mondial et de la baisse du taux de profit sont des guerres pour détruire l'Europe. L'enjeu de chaque guerre mondiale, c'est la destruction de l'Europe. Et depuis 45, puisqu'on a détruit l'Europe en 45 de manière militaire, de manière immédiate, c'est à travers l'Europe bruxelloise, à travers toute une série de configurations diplomatiques, géostratégiques minées de l'intérieur, qui se retrouvent jusqu'au cœur de l'ONU, il s'agit d'empêcher que l'Europe puisse ressurgir. Alors, votre réflexion, Thibault, sur Pompidou, elle était extrêmement importante. L'époque de De Gaulle, c'est la stratégie nucléaire autonome. C'est le nucléaire autonome. C'est le Concorde que les Américains ont tué. C'est le Mirage 1, c'est le Mirage 2, c'est le Mirage 3, c'est le Mirage F1. C'est des vedettes lance-torpilles, c'est des projets de sous-marins, c'est des projets de porte-avions. Il y a une puissance à la fois commerciale, industrielle, bancaire, stratégique. Que nos auditeurs aillent rebosser ici ou là la France de Georges Pompidou. La France de Georges Pompidou, c'est une puissance qui fait peur à l'Amérique. Pompidou part en Afghanistan, il part en Chine, il va aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, il est reçu d'une manière absolument délirante parce qu'il a poursuivi l'embargo du général de Gaulle et toute la communauté juive à Washington et à New York fout le bordel contre lui parce qu'il enclenche une grande politique arabe d'interaction stratégique, pétrolière, industrielle et commerciale. Pompidou, il va en Libye, Pompidou, il va à Beyrouth, Pompidou, il va à Téhéran, Pompidou, il va à Bagdad. C'est-à-dire que la France de Pompidou, c'est une articulation stratégique qui fait que tout le... Alors, on parlait tout à l'heure de la stratégie domination formelle, domination réelle. Et on parlait du fait que la capitalisation est une surdétermination du temps de la valorisation sur l'espace. À l'époque des nomades, à l'époque de Byzance, à l'époque de Tamerlan, nous en parlions tout à l'heure, l'Eurasie est une puissance territoriale à maîtriser parce qu'il y a des convois, il y a des convois d'armes, de draperies, il y a des parfums, il y a des condiments. Et c'est la rente agricole. C'est quelque chose qui est en temps lent, c'est en quelque chose qui est dans une reproduction élargie, limitée. Mais à l'époque de Pompidou, l'Eurasie, le pétrole, l'armement français, le nucléaire français, l'Eurasie est un enjeu majeur que les Américains ne peuvent pas voir disparaître dans un nouveau Rapallo. Alors, il faut bien voir le glissement de Rapallo à partir de 1945, lorsque dans les relations Pompidou-De Gaulle à Adenauer, on a vu l'ensemble de la classe politique allemande soutenir l'Amérique. Moi, je dis souvent, les gens me disent « Tiens, il y a un Allemand là ». Ben non, je dis « C'est un Américain d'Allemagne ». Il n'y a plus d'Allemands. En 1945, on a détruit l'école militaire allemande, on a détruit l'armée allemande, on a détruit la vocation politique de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, c'est une boutique qui peut réussir en tant que boutique, mais qui est interdite de géopolitique mondiale. Donc, quand Adenauer a voulu refaire renaître une géopolitique mondiale avec De Gaulle, quelque part, il a été le dernier moment. De temps en temps, vous voyez dans le Parti social-démocrate ou dans la CSU bavaroise surgir une petite volonté
de retrouver une autonomie mineure avec le gaz, avec le pétrole russe, mais c'est toujours très très réduit à des agencements financiers ou minéraux. Il n'y a pas de volonté politique. Le seul moment où il y a eu une petite volonté politique, c'est quand le chancelier social-démocrate, qui était en 2003 avec Chirac, a voulu temporiser un peu l'invasion qui avait été programmée sans l'aval du Conseil de l'ONU. Mais ce que disait De Gaulle, et on retrouve tout ce qui est dit dans les verbatims de Perfit, c'était De Gaulle, finalement, l'Allemagne existe encore comme puissance commerciale, mais elle n'existe plus comme puissance stratégique, puisque Nuremberg lui a définitivement interdit le rôle et le droit à avoir, à partir de ce rôle, une vision mondiale. Donc, Rapallo, à partir de 1945, il se déplace, il subsiste en tant qu'archétype dialectique, mais il n'est plus articulé génériquement sur Moscou-Berlin. Il se déplace sur Paris-Berlin, sur Paris-Moscou. Pourquoi ? Moscou a perdu. Il faut bien se rappeler que dans Rapallo, il y a la puissance du capital, mais il y a la puissance technologique du capital qui a une capacité offensive à avoir un destin militaire au regard de l'univers mondial. L'Allemagne l'a plus, elle l'aura plus, c'est fini. C'est Paris qui l'a. Et De Gaulle comprend ça. Donc, le Rapallo à venir, ça ne peut plus être Berlin. Moscou d'abord, ça peut être que Paris-Moscou d'abord, et Berlin peut s'y rattacher ensuite dans des configurations commerciales et industrielles, mais le cœur militaire, c'est Paris. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de Pompidou ? Eh bien, c'est la longue agression indirecte, médiée, de stratégies enveloppantes par lesquelles le Pentagone et Washington vont détruire toute la sphère de coprospérité éventuelle que la France pouvait avoir et dans le monde arabe, et dans le monde asiatique, et dans le monde européen. Quand vous prenez Pompidou est mort en 73, quand vous prenez la France de 71-72, le nucléaire, le militaire, le commercial, l'industrie française sont en pointe de tête en Iran, en Irak, au Liban, en Libye, en Égypte et jusqu'à l'Afghanistan. La France rayonne et cette rayonnance du capitalisme, elle met complètement à mal la volonté hégémonique des États-Unis d'empêcher un nouveau Rapallo. Donc on va avoir toute une stratégie la chute du Shah en Iran, la chute de Saddam Hussein, la chute de Kadhafi. Les États-Unis n'ont pas liquidé Kadhafi, Saddam Hussein et l'Iran, simplement parce que dans le microsystème américano-israélien, il fallait que Israël ait sa rayonnance moyenne-orientale. Bien évidemment que ça joue, puisque la politique américaine est toujours une politique pro-israélienne. Mais c'est bien plus vaste que ça. Les accords américano-israéliens, c'est une sous-dépendance d'une conflictualité éventuelle sur Rapallo ou sur un contre-Rapallo. Le problème essentiel, c'est que pour empêcher Rapallo, il faut que la réalité, alors on l'a dit dans le marché mondial, le livre 5 que Marx voulait écrire sur le commerce international, il y a le capital, la propriété foncière, le travail salarié, l'État, le commerce international qui débouche sur le marché mondial. L'hégémonie de la valeur d'échange, l'hégémonie qui positionne l'articulation dialectique de ce qu'est la composition organique du capital. C'est évidemment cette spatialisation de la temporalité du capital. En 72-73, la France a un pouvoir de commerce international et de marché mondial qui est absolument gigantesque. La France avance en Iran, elle avance en Irak, elle avance dans les États arabes unis, même en Arabie saoudite, elle avance en Afghanistan. L'Afghanistan de l'époque, ce n'est pas l'Afghanistan d'aujourd'hui. Hein. La Chine qui a été créée de toutes pièces par la volonté hégémonique des États-Unis, en 72-73, lors du voyage Kissinger
Nixon pour déplacer les problématiques stratégiques de l'Europe, Rapallo, vers l'Asie. C'est les États-Unis qui créent la Chine moderne, mais il y a en même temps un match avec Pompidou et le capitalisme français. Le capitalisme français, il intervient dans toute la sphère subasiatique, la Thaïlande, le Vietnam. Et alors, qu'est-ce qui se passe après Pompidou ? Ben, après Pompidou, on passe à travers la politique bruxelloise qui s'étend. Rappelez-vous la chaise vide de De Gaulle. De Gaulle ne voulait pas de l'Angleterre et De Gaulle voulait d'une communauté européenne stratégique de défense autour du nucléaire française et d'organisation économique, commerciale et monétaire autour d'une confédération des nations capitalistes stratégiques. La fédéralisation qui va tuer le franc. Clinton qui dit l'euro, c'est très bon pour nous. Et pourquoi l'euro, c'est très bon pour les États-Unis ? Parce qu'en 72, le Shah d'Iran avait dit à Pompidou, nous voudrions mettre en marche avec vous des échanges pétroliers sur le franc. Le franc, c'est le franc. L'euro, c'est quoi ? Ben dans l'euro, y a plein de pays vassalisés à l'OTAN. Donc l'euro, c'est l'OTAN. Le franc, ce n'était pas l'OTAN, parce que ce n'était pas l'euro. Donc, pour reprendre ce que disait Thibault, de 72 à aujourd'hui, on assiste à une agression systématique du Pentagone et de la CIA sur toutes les positions françaises. Sur toutes les positions françaises. La France a perdu l'Irak, elle a perdu l'Iran, elle a tout perdu. Et dans le même temps, les successeurs de Pompidou, alors Giscard un peu, Mitterrand un peu plus, Chirac un peu plus, puis alors maintenant on a l'arbin sublime, on a le produit fini. Là on est au bout du bout. On a eu pendant un moment des présidents de la République qui se soumettaient, puis là maintenant on a un gouverneur américain. Justement, pour aller dans ce sens-là, on glisse gentiment vers justement ce concept de vassalisation culturelle qui produit ça. Et pour revenir sur justement cette dialectique domination formelle, domination réelle, domination formelle, vous avez dit tout à l'heure, vous avez employé un terme, c'est une hégémonie qui mange l'extériorité. Et domination formelle, on peut dire que ça commence à manger l'intériorité. Réelle. Réelle, pardon. Ça mange l'intériorité. Voilà. Vous avez souvent employé, même au niveau du prolétariat et des hommes en général, les modes de production précapitalistes et en domination formelle demeurent des systèmes d'exploitation, mais qui préservent une naturalité. Et la domination réelle, c'est justement le moment où le capital et la valeur d'échange mangent l'intériorité, elles mangent l'intériorité de la totalité du monde et de la classe capitaliste elle-même. Et du coup, ben, de Pompidou à Macron, en passant par Giscard et tout le reste, ben, ils sont bouffés par cette valeur d'échange qui est au profit de qui ? Ben, justement, des États-Unis qui sont eux-mêmes mangés, mais ils extériorisent leur domination, ce qu'ils sont, sur les autres. Donc, est-ce qu'on peut développer ce concept-là ? Alors, si vous voulez, ça renvoie à ce que me dit… Alors, après, je vais revenir à ce que disait Thibault sur la Serbie, parce que c'est important. Mais j'ai un de mes correspondants qui me pose la question de l'immigrationnisme et du LGBTisme à deux niveaux. Alors, bien évidemment, l'immigrationnisme et le LGBTisme font partie de cette problématique du grand remplacement de l'histoire radicale par l'histoire de soumission infinie. Le Pentagone, la CIA, même si ce n'est pas des grands stratèges infinis en lutte des classes, savent très bien que le retour radical des luttes de classes telles qu'on les a connues en 1968, c'est de moins en moins faisable à partir où des populations entières sont issues de temporalités qui sont incapables de saisir la radicalité du manifeste communiste. Et d'ailleurs, on le verra dans l'émission d'actualité par rapport aux élections. La carte d'identité de la lutte de classe des temps à venir est bien posée. On a d'un côté une France périphérique prolétarienne qui ne vote pas
ou qui votent Marine Le Pen, et on a de l'autre côté les métropoles américanisées de la domination réalisée de la valeur, qui sont ou Bobo Macron ou Bobo Mélenchon, et qui sont, avec ça, structurées autour des clientèles immigrées qui sont dans l'incapacité de saisir le manifeste communiste. La clientèle immigrée, elle veut bénéficier d'une situation plus favorable dans la rentabilité du capital reproduit. Mais aller distribuer un tract sur l'abolition du salariat et de l'abolition de l'État devant la cathédrale, devant la basilique Saint-Denis, les mecs, ils ne comprennent même pas ce que veut dire abolition du salariat. Donc, c'est clair. Mais dans le même temps, alors, le grand remplacement immigrationniste ou LGBTiste, il vise à détruire la lutte de classe du prolétariat. Ça, c'est la lutte de classe prolétariat-capital. Mais il est bien évidemment un des vecteurs essentiels de la lutte de classe hégémonie américaine, hégémonie européenne. Allez sur les sites de l'INA, voir les banlieues ouvrières des années 50-60. Quand Pompidou ou De Gaulle parle de l'OTAN, parle d'une hégémonie américaine, cette culture-là, pour eux, c'est éventuellement Israël, la Palestine, le djihad, les Juifs, etc., mais sans aucun contenu d'analyse de classe, c'est du tribalisme. Donc on est passé de banlieues ouvrières qui pouvaient comprendre la défense de l'entité européenne face à l'Amérique, à des gens qui veulent bien comprendre qu'il faut critiquer l'Amérique, mais que si on reparle de la mosquée qui est là-bas, c'est-à-dire que on a totalement détruit la conscience radicale universelle, on a tribalisé les banlieues. Donc on les a rendus incapables d'une conscience de classe, mais on les a rendus porteurs de valises de la culture américaine. Les Diallo, les Diallo, les Diallo, les Diallo, ils sont tous américanisés et ils bossent là-bas. Et ils bossent là-bas rétribués en tant que minorité visible du privilège visible. C'est-à-dire que tout ce qui sort des banlieues est contre-révolutionnaire par essence. Contre-révolutionnaire du point de vue de la lutte de classe et contre-révolutionnaire du point de vue de l'américanisation. Donc, il faut comprendre cette déchéance culturelle. On a de plus en plus de mal à faire comprendre ce que veut dire abolition du salariat si on habite Mantes-la-Jolie. Mais ce n'est même pas la peine de leur parler de Michel Jobert et puis de la volonté américaine depuis De Gaulle et Adenauer d'écraser l'autonomie européenne. Donc, il y a une déperdition culturelle qui est voulue. Et de la même manière que Bruxelles détruit de l'intérieur par ses recommandations et ses directives le commerce, l'industrie et l'agriculture française, 40 ans de vassalisation culturelle américaine dans l'abrutissement de musique de merde, d'identité de merde, on construit des banlieues abruties qui n'ont aucune culture. Ce sont des banlieues américaines. Donc tout se joue là. C'est-à-dire que non seulement il faut détruire la possibilité de rapallo en détruisant les infrastructures technologiques de ce qui pourrait faire naître un impérialisme européen, mais il faut détruire tous les soubassements culturels qui rendent possible la perception du comprendre. Donc on ne comprend plus rien à la Commune de Paris, on ne comprend plus rien à De Gaulle, on ne comprend plus rien à Napoléon, et puis on fait des onomatopées bruitistes avec un vocabulaire de 200 mots et on fait du rap de merde dans les banlieues urbaines. Mais si vous voulez, tout ça, c'est l'immanence du capital qui détruit la possibilité même du percevoir. Et on en retombe sur la critique de l'indistinction et le problème du chaos. Le chaos de l'indistinction qui produit le chaos terroriste, le chaos sanitaire, tous les chaos possibles, c'est le chaos de la perception. Aujourd'hui, on produit des gnomes autonomes, solipsistes et schizophréniques, qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas où ils vont. Alors, parlez-leur de géostratégie mondiale et de rapallo, ils ne comprendront rien. Parlez-leur de la lutte de classe et pourquoi le grand remplacement immigrationniste et LGBTiste, ils ne comprendront rien. Et expliquez-leur pourquoi, alors on le fera dans la prochaine émission d'actualité, Macron, Mélenchon, fusilleurs du prolétariat. On en revient à l'affaire Dreyfus et à la Commune de Paris. La Commune de Paris a été massacrée par Clémenceau, Zola et Gallifet en termes de langage, en termes de fusil. Mais qui demain massacrera le prolétariat révolutionnaire? Les chefs des banlieues et des métropoles de la mondialisation réussie qui veulent le grand remplacement immigrationniste LGBTiste pour que plus jamais on parle d'abolition du salariat.
Macron-Mélenchon, point commun avec les clientèles immigrées. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de l'abolition du salariat. Nous ne voulons pas entendre parler de l'érotisme, du cochon et du bon vin, de la radicalité infinie. Non, 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 non. On voile la vie. On ne voile pas que les femmes. On voile la vie. On voile le désir. On voile l'insurrection. Tout le monde à quatre pattes devant la soumission à la valeur d'échange théocratique du monothéisme de marché. Vous vouliez revenir sur la Serbie, je crois. Voilà, alors je voulais revenir sur la Serbie parce que j'avais... Je me souviens, en 98, j'avais eu... Alors, déjà un truc intéressant. Moi, je me rappelle avoir fait pas mal de manifs en 98. On bombardait la Serbie à cause du Kosovo. Il y avait des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, des gens comme moi qui étaient contre tout État et pour la révolution sociale, mais il y avait des gens à Paris qui manifestaient, à Bordeaux, à Montpellier ou à Strasbourg, contre les bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Là, vous remarquez ce qu'on disait sur le chaos, la distinction, la perception. Il n'y a pas de manif contre les manipulations de l'OTAN et en Ukraine. C'est-à-dire que la déperdition de sensations, de culture, de perception, de compréhension, elle avance. À l'époque, il y avait un matraquage infini pour nous dire que les Serbes étaient horribles, que les Bosniaques étaient gentils, que l'OTAN, sans aucun accord de l'ONU, avait le droit d'aller bombarder Belgrade. Mais il y avait encore quelques petites dissidences qui n'étaient pas simplement des dissidentismes proudhoniens et qui avaient quand même compris qu'il y avait une hégémonie totalitaire. Là, plus rien. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, en répondant à Thibault, l'OTAN et le Pentagone ont détruit le flanc sud. C'est-à-dire que de la Libye, l'Algérie, les compagnies pétrolières américaines gèrent le pétrole algérien. Depuis 1962, avec un petit intermède franco-russe, aujourd'hui, c'est les compagnies pétrolières qui gèrent l'Algérie pétrolière, les compagnies pétrolières américaines, et la CIA et le Pentagone gèrent l'armée algérienne. Donc on comprend très bien pourquoi le FLN a été soutenu par la CIA comme le FLN vietnamien. C'est-à-dire que c'est encore la hantise de Rapallo. Soutenir Ho Chi Minh contre la France, soutenir Ben Bella contre la France, c'est écarter cette idée d'une renaissance européenne. Donc, depuis le passage de Pompidou à Giscard, de Giscard à Mitterrand, de Beyrouth jusqu'à l'Afghanistan, tout a été otanisé, la France n'a plus que des miettes. Et quand on lui dit, vous savez, là, votre usine Citroën à Téhéran, fermée. C'est comme l'usine Renault en Russie, fermée. Et le Quai d'Orsay s'exécute. Et d'ailleurs, Macron a supprimé le corps diplomatique du Quai d'Orsay. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay, c'était une école diplomatique qui n'avait rien de critique, qui n'avait rien de radical, mais qui avait des compréhensions culturelles et historiques de longue durée. Le Quai d'Orsay en France, entre 1950 et 1980, c'est quand même des gens qui savent ce qu'est un druze. Un druze n'est pas un chiite. Ils savent ce qu'est un yézidi. En Afrique, le corps diplomatique, il savait très bien faire la différence entre les Tutsis et les Hutus. Mais dans la longue histoire, on a une culture au Quai d'Orsay. Cette culture doit disparaître parce qu'on ne doit plus appréhender en fonction des devenirs du Quai d'Orsay, rattachés à une diplomatie française, la réalité du terrain par rapport aux intérêts du capital français. On doit normaliser ça dans un wokisme international débilisé qui répond aux ordres médiatiques du LGBTisme et de l'immigrationnisme pentagonique. Donc plus de Quai d'Orsay. On aura des fonctionnaires serviles et abrutis,
totalement dégénéré et inculte aux ordres du valet de l'Élysée. Valet de la CIA de l'Élysée. Mais ce n'est pas un détail. Donc, on a perdu tout le flanc sud. Dans le même temps, l'Afrique, par morceaux entiers, elle passe dans le giron américain à travers le giron chinois. On dit « Ah, c'est horrible, les Chinois s'emparent ». Mais de la même manière qu'il y a domination formelle, domination réelle, il y a, dans la domination réelle, technologie de pointe, technologie basique. Il y a un partage de missions entre l'ordre américain et les Chinois, et l'ordre américain favorise les Chinois pour expulser les Français d'Afrique. Et portion de pays par portion de pays, la Francafrique de Focard, elle a disparu. Mais c'est Rapallo, ce n'est pas simplement une ville au cœur de l'Europe, c'est une stratégie mondiale. Donc Rapallo est une stratégie mondiale et le contre-Rapallo est une stratégie mondiale. Et donc, dans le même temps, la Serbie. Alors, j'avais un correspondant, il me dit, mais je ne comprends pas, la Yougoslavie, c'est Tito, il n'emmerde personne. Bon, alors Tito, il était mort, c'était les successeurs. Il dit, pourquoi attaquer la Serbie? Parce que chaque partie du tout est déterminée par la logique géopolitique de la valeur d'échange en crise au moment où la portion hégémonique perd son hégémonie. Détruire la Yougoslavie, comme d'ailleurs bousiller le Kosovo, c'était construire une entité islamique de la CIA. L'islam, c'est une force régressive, réactionnaire, qui plaît parfaitement au Pentagone et à la CIA. Donc on a créé un Kosovo islamique et drogué, et on a créé une Bosnie-Herzégovine musulmane et droguée, au cœur de l'Europe, une plateforme américaine. Mais derrière cette plateforme américaine, il y avait, si on se rappelle que Rapallo, c'était Berlin-Moscou et que maintenant c'est Paris-Moscou, il y avait Belgrade. Or, Belgrade, à travers la Première Guerre mondiale et les communautés militaires qui se sont créées avec toute une série d'agencements culturels, de mémoires collectives, c'est un lien, l'axe Paris-Moscou, il passe par Belgrade. Et dans le même temps, l'ordre américain a totalement pénétré la structure européenne bruxelloise pour détruire le potentiel nucléaire, le potentiel militaire. Daniel, vous êtes en Suisse. La Suisse, qui n'est pas dans l'Europe bruxelloise, va acheter des avions américains. La Pologne, qui reçoit des subventions françaises pour son développement industriel et agricole, ne va pas acheter des Rafales, mais va acheter des F-35 américains. Et toute la structure militaire européenne, dont le couillon abruti du Pentagone de l'Élysée nous parle en termes de souveraineté européenne, est américanisée. Il est écouté par les systèmes américains, mais il ne s'en offusque même pas. Aujourd'hui, vous avez une antenne du Pentagone et de la CIA, l'école militaire, qui analyse toutes les données de l'Élysée, de Matignon et de toutes les structures ministérielles françaises. À l'école militaire, métro, école militaire, Paris, en plein Paris, le Pentagone est là. Donc, là, alors, on en arrive, alors, on fera une émission sur la crise terminale, formelle et réelle. Mais on en arrive à la crise ukrainienne aujourd'hui, qui est le point de conclusion. C'est-à-dire qu'on a détruit le flanc sud, on a détruit le flanc central, et maintenant, l'Europe est totalement otanisée dans sa structuration militaire, dans sa structuration commerciale, dans sa structuration industrielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quel que soit le conflit qui surgit au niveau de la géopolitique mondiale, il n'y a jamais un millimètre de différence entre ce que disent les chancelleries européennes et ce que dit le Pentagone. On est à rebours de tout ce que De Gaulle avait positionné quand il a quitté le commandement intégré en 66. Donc 66, 76, 86, 96, 2006, 2007. En 60 ans, toute la structuration offensive que De Gaulle avait voulu positionner pour un nouveau Rapallo a été dévitalisée.
Et donc, on est au bout de cette dévitalisation. Mais nous, nous savons que la Troisième Guerre mondiale n'est pas une Troisième Guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie, puisqu'il n'y a aucun enjeu commercial, stratégique, économique majeur entre la technologie de la plus-value relative américaine et la technologie de la plus-value relative russe. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce bordel est une guerre déguisée. C'est une guerre indirecte. Au lieu de dire aux Européens « on vous détruit totalement, il n'y aura plus jamais de rapallo », puisqu'on les a vassalisés dans des appareillages complexes, diplomatiques, militaires et politiques, on a enclenché la guerre d'Ukraine. Ce n'est pas Poutine. Alors, on rappelle, parce qu'on a toujours un ou deux débiles qui vont nous dire « ah ben, ils soutiennent Poutine ». Non, on ne soutient personne, on est contre tous les États, on est contre tous les partis, mais ça ne nous empêche pas d'être intelligents. On sait très bien, par exemple, que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont fait exprès de retenir la délégation japonaise qui apportait la déclaration de guerre, parce que ainsi, compte tenu des fuseaux horaires, on a fait lambiner les délégués japonais, de telle sorte que, puisqu'on revient à la machine Enigma de tout à l'heure, les Américains savaient très bien à quelle heure Pearl Harbor serait bombardé. Donc, on a fait lambiner des mecs dans une salle d'attente en disant, bon, puisque Pearl Harbor est bombardé à 14h02, on ne les recevra qu'à 14h30. Et comme ça, on pourra dire, ah ben oui, vous voyez, salaud de macaque jaune, parce que c'est comme ça que les Américains parlaient des Japonais, hein, salaud de macaque jaune. Les salauds de macaque jaune nous ont déclaré la guerre après la guerre. Mais tout est manip. L'ordre américain est manip par essence. Tout est manip. Le Lusitania, la puissance américaine, qui est donc la concrétion hystérique de la concrétion anglaise, est sataniste par essence. C'est le satanisme de la marchandise absolue. Quand l'ordre américain parle, il parle toujours dans la duplicité, dans le mensonge et dans la falsification. Et c'est pour ça qu'il a exterminé tous les peuples indiens. Et il a exterminé tous les peuples indiens par tranches successives, en leur disant « mais non, on va vous garder ». Et hop, je t'en flingue un, puis je te garde, toi, le deuxième. Et hop, je te flingue le trois. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la seule nation étatique, génocidaire, effective, de la réalité du devenir du monde contemporain, c'est eux. Et ils viennent vous faire de magnifiques leçons sur Boutcha. On sait aujourd'hui que Boutcha, c'est comme le marché de Markal en Bosnie-Herzégovine, c'est une manipulation du Pentagone. À Markal, il fallait trouver en Bosnie-Herzégovine un motif, alors que les Serbes se défendaient dans leur village parce qu'il y avait des légions islamiques de la CIA qui massacrait les Serbes se sont défendus. Et donc, comme les Serbes se défendaient, il fallait trouver un moyen pour bombarder les Serbes. On a donc organisé, Pentagone, CIA et milice islamique, un bombardement bosniaque sur le marché bosniaque de Markal. Et on a dit, c'est les Serbes. Et alors, on a eu les couveuses de Covet City, on a eu les couveuses de la maternité de Mariupol. Et de la même manière qu'on avait eu le marché de Markal, on a eu le massacre de Boutcha, puis ainsi de suite. Mais c'est la perfidie judéo-protestante de la valeur d'échange totalitaire américaine. Elle est partout, partout, partout. Le massacre de My Lai au Vietnam, 500 femmes et enfants massacrés par l'armée américaine, est-ce que ça reste aujourd'hui dans la tête des gens? Massacre de My Lai. Il n'y a pas eu de tribunal international, là. Il n'y a rien eu du tout. Donc, il faut bien comprendre que, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le combat culturel, tout État est pourriture. Les États européens sont pourriture. Toute la domination qu'on a rencontrée dans l'histoire de l'humanité est pourriture. Mais avec le passage de l'Angleterre aux États-Unis, on est rentré dans le summum paranoïaque de la pourriture idéologique de la valeur d'échange. On est rentré dans ce qu'il y a de plus sale, de plus laid, de plus excrémentiel. La fiole de Colin Powell, ce n'est pas simplement un mensonge. Ça montre par essence que le pouvoir n'est qu'un mensonge. Et c'est tout ça qu'il faut interpréter. Donc là, on a des accords stratégiques qui, au moment où Gorbatchev
à remiser la vieille Union soviétique au placard sont absolument clairs et nets sur l'avancée de l'OTAN, sont impeccablement clairs après sur les accords de Minsk. Tout est clair. Sauf qu'en Ukraine, ce n'est pas l'armée ukrainienne qui se bat. Il n'y a pas d'armée ukrainienne. On l'a dit dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. L'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine n'existe pas. Il y a une Ukraine russe à l'est. Il y a une Ukraine avec la Ruthénie, la Galicie à l'ouest, plutôt polono-autrichienne dans le cadre du 19e, 20e siècle. Puis on a une Ukraine mixte au milieu. C'est l'État américain qui a créé l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, les services anglais, les services américains se battent là-bas. On découvre tous les jours un Anglais, un Américain, deux Canadiens. Les Ukrainiens ne se battent pas. Bon, il y a quelques milices fanatisées au cul des oligarques, parce qu'on vous parle toujours des oligarques russes, mais on ne vous parle jamais des oligarques ukrainiens et de la fortune planquée de Zelensky. Mais tout est mensonge. Tout est mensonge. Alors, qu'est-ce qui fait que là, en ce moment, en 2022, ça pète en Ukraine. Ça pète en Ukraine. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra dans notre prochaine émission sur la crise terminale formelle, crise terminale réelle. C'est la crise finale du capital. L'hégémonie du billet vert ne peut plus valoriser sa reproduction à l'échelle mondiale. Et c'est pas le billet vert qui est en crise. Ce qui est en crise, c'est le rapport impérialiste né en 1945 dans le cadre de la domination réelle supérieure. En 71, le billet vert a dit « je suis en crise, je passe d'échanges flottants, je passe d'échanges fixes aux échanges flottants ». Il y a une gigantesque reconfiguration qui a positionné la crise de 2008, puis la crise de 2018. Et là, on rentre dans une configuration supérieure. L'ordre américain ne peut plus fonctionner puisqu'il est facticité absolue. Donc il y a deux solutions. Ou il détruit définitivement l'Europe, ou il tombe. Donc la crise en Ukraine, c'est la crise terminale du billet vert. C'est la crise terminale du billet vert. Ou les États-Unis détruisent définitivement l'Europe et peuvent éventuellement imaginer s'en sortir sous une forme ou sous une autre, ou l'Europe, sous une forme ou sous une autre, recompose quelque chose qui conduit à un éventuel rapallo. Et là, l'Amérique est morte. Parce que s'il y a une unité stratégique de l'économie européenne avec les espaces retardataires de la Russie ex-capitaliste d'État, on a cette première puissance mondiale du pacte germano-soviétique qui renaît sur l'axe Paris-Moscou. Donc, ça fait 4 ans que les milices ukrainiennes bombardent le Donbass, bombardent le Donetsk. On n'a pas un mot, rien, silence radio. Et à un moment donné, au terme de la crise sanitaire, au terme de cette première, parce qu'on va certainement avoir une autre crise sanitaire, mais le capital s'est mis en friche pendant des mois et des mois. Et ça n'a rien résolu. L'économie américaine est exsangue. Le dollar, il est totalement en situation d'impéritie. Donc, c'est pas Biden, le vieil homme, qui, etc. Non, c'est le Pentagone, c'est l'État profond américain, en tant que dernière barrière de défense d'un dollar qui est en train de mourir, qui décide, à un moment donné, de rebombarder les populations du Donetsk et du Donbass de façon intensive, en sachant que si ça se fait, les Russes vont intervenir. C'est pas Poutine qui a déclaré, qui a décidé des opérations. C'est le Pentagone. Poutine avait dit, si vous accélérez et que les accords de Minsk ne sont pas matérialisés par un accord, on va y aller. Donc le Pentagone savait qu'ils allaient y aller. Donc le Pentagone a allumé la mèche, mais il n'a pas allumé la mèche contre la Russie. Il s'en fout de la Russie, ce n'est pas un concurrent. Son concurrent, c'est l'Europe. Donc cette guerre qui vise à empêcher le retour de Rapallo, c'est la troisième guerre mondiale dont la substance est la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, comme la Seconde Guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, le Nouveau Monde contre l'Ancien, l'hégémonie du Pentagone contre l'unité européenne. Et si on comprend ça, on comprend très bien que la vérité s'inscrit en négatif des apparences, on comprend le hiéroglyphe, on comprend la crise du capital telle qu'elle est positionnée par Marx dans le fétichisme de la marchandise et son secret, et surtout telle qu'elle est développée par Engels dans l'anti-During. Donc nous, on n'a pas besoin de passer par les écoles stratégiques, point.
on passe par les écoles stratégiques, virgule, de la compréhension dialectique de la valeur d'échange autour de Claude Zwitz, rencontrant Hegel et rencontrant Marx. On s'arrête là. C'était votre conclusion, Francis, non ? Non, bah, non, c'était pas ma conclusion, mais bon. J'ai peut-être une dernière question, je ne sais pas, comme perspective future. Vu que le traité de Brapalo de 22 s'est conclu après l'écrasement des deux communes, est-ce qu'on peut se dire qu'un éventuel traité de Brapalo 25 pourrait se conclure au bout d'un écrasement du prolétariat ? Non, ce serait plutôt l'inverse. Parce que les configurations ne sont pas les mêmes. Mmh. Vous voyez bien que pour empêcher Rapallo, on a emprisonné les capitalismes européens dans ce conglomérat bruxellois qui va conduire à l'effondrement. C'est-à-dire que s'il y a Rapallo, ça peut empêcher le prolétariat européen de surgir parce que quelque part, le capital européen va se rééquilibrer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de Rapallo, le produit intérieur brut européen, dans 2 ans, il sera à moins 60%. Donc, il faut bien comprendre que Rapallo est une constance, mais en fonction des temporalités, c'est quelque chose qui se structure d'une manière tout à fait différente. Là, on est au cœur de la guerre totale, que les États-Unis mènent sur l'Europe. Où les États-Unis arrivent à écraser l'Europe dans la politique de restriction et de sanction, c'est-à-dire que le capitalisme européen est en train de se faire harakiri, il est en train de sacrifier tout son potentiel historique, technologique, économique, agricole, parce qu'il est vassalisé et neutralisé par l'ordre américain. C'est-à-dire que chaque mois qui passe, les capitalismes européens vont s'écrouler. Encore plus, davantage. Ça veut dire qu'il y a une colère sociale qui va remonter. Mais s'il n'y a pas ça, et que progressivement, Paris, Moscou mettent en marche des partenariats, ces partenariats vont détruire toute la dynamique chimérique de l'endettement, de l'éléphantiasisme du dollar, euro-dollar, pétro-dollar qui existe depuis 71. Le capital américain aujourd'hui, il vit pas simplement sur le délire du billet vert des 10 dernières années. Le passage des changes fixes aux changes flottants en 71 avec le crédit chimérique, c'est des triards et des triards de dollars. Là, si quelque part, une unité économique se mettait en marche entre Paris et Moscou, c'est toute la dimension stratégique américaine, agricole, industrielle, commerciale, qui verrait s'invalider son soubassement billet vert. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Si vous voulez, le surgissement du prolétariat ne va pas se faire partout, au même moment, de la même manière, dans des formes de correspondance immédiate. C'est ou Rapallo qui se reconstitue et l'Amérique s'écroule, ou l'Amérique va jusqu'au bout de son étranglement de l'Europe dans cette guerre ukrainienne créée de toutes pièces, et à ce moment-là, c'est l'Europe qui s'effondre. Donc, il va falloir dialectiser tout ça, et c'est ce que nous ferons dans notre prochaine émission en montrant que la crise terminale du capital, on est arrivé à la crise terminale du capital parce que le capital n'a plus de restructuration supérieure possible pour dégager la contradiction valorisation-dévalorisation, plus-value relative, plus-value absolue. Mais cette crise terminale, elle va durer un certain temps. Le premier temps de cette crise terminale aboutit, ce sera le moment où le dollar s'écroule. Mais une fois que le dollar va s'écrouler, le capital mondial va vouloir trouver des équivalences de substitution, puisque la grande monnaie mondiale de l'équivalence centrale fétichiste est tombée. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver à la place ?
Donc le capital va s'exciter pour trouver quelque chose à la place. Et c'est précisément parce qu'au bout de cette excitation, il ne trouvera rien, qu'on aura la crise terminale réelle. Mais Rapallo est le cœur du passage de la crise terminale formelle à la crise terminale réelle. Nous sommes rentrés en crise terminale formelle au bout de la domination. La domination réelle, c'est 14-2018. À partir de 2018, avec les taux d'intérêt négatifs, le loyer de l'argent s'invalide. La formation sociale de l'équivalent général nous dit « je ne fonctionne plus ». On est donc rentré en crise terminale. Et la crise terminale, comme toute séquence historique de la dialectique des forces productives de l'aliénation mondiale, a deux temporalités, une temporalité formelle, une temporalité réelle. La temporalité réelle étant l'actualisation de toutes les potentialités de la phase formelle. La phase formelle, c'est maintenant. Et la phase formelle, avec cette crise ukrainienne, elle va déboucher sur la crise réelle quand il y aura explosion du dollar. Alors, est-ce qu'il y aura explosion du dollar vite parce qu'on va vers un rapallo, ou est-ce qu'il y aura explosion du dollar lent parce qu'au contraire, les Américains vont tuer toute perspective de rapallo? C'est ce qu'il faut creuser en permanence, parce qu'on en revient toujours à ce qu'on avait dit au moment du Congrès. Le groupe communiste est une œuvre collective de précision, de prévision, d'analyse, d'argumentation, de destination. Donc, ce qui va arriver, ce n'est pas magique. Ce qui va arriver, c'est déterminé par la loi de la baisse du taux de profit et par les déterminations historiques de la dialectique des forces productives. Donc, il faut bosser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Rapallo, ça ressurgit? On aurait pu imaginer un chevènement proposant Rapallo. On n'a pas ça. On a un chevènement qui rejoint Macron. Chevènement qui avait quitté son poste quand, en 1990, Mitterrand avait accepté d'aller massacrer Saddam Hussein, son armée et son pays, qui était notre meilleur allié. Donc, Chevènement, en 90, il était moins sénile qu'aujourd'hui, il pigeait la contradiction États-Unis-Europe. Là, il trouve que les bégaiements pentagoniques de Macron sont suffisants. Il a régressé. Il n'y a pas que lui qui a régressé. Il y a des champs entiers de la politique française qui ne se posent aucune question d'autonomie par rapport à Washington. Donc, il va falloir qu'on étudie tout ça, qu'on le creuse, qu'on fasse véritablement de l'investigation en profondeur. On y reviendra dans notre prochaine émission sur la crise terminale, phase formelle, phase réelle. Mais il faut bien que nos auditeurs comprennent que nous sommes rentrés dans des phases décisives, où tout va se jouer. Ça y est, le grand chaos de la domination réelle, avec la guerre de 14, puis la guerre de 39, puis la reconstruction de 45, puis la crise de 71, tout ça s'est coagulé, collectionné dans une unité dialectique supérieure. Tout revient sur le capital dans un gigantesque boomerang. Les années qui viennent sont des années qui seront décisives parce que tout va se jouer là.